solution. La prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. By night, we delight.
shall assure in his name. By day and by night, we delight in your love, and forever your word will remain. Hallelujah, sing hallelujah. We rejoice in your love. Porter la
Bonjour frères et sœurs. Bonjour frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse encore ce matin. Nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de notre Père. Que son nom soit réellement glorifié. Nous sommes heureux de revoir encore notre frère Abed dans la maison de Dieu aujourd'hui. Que Dieu te bénisse mon frère. Recevez les salutations de notre frère le pasteur Daniel Glineur de Jemap, notre frère le pasteur Yves de Bruay-sur-l'Escaut, notre frère Marcel de Crefeld, le frère Thomas et notre frère Trésor de Bilbao. Notre sœur Carole de Canada nous salue aussi, le pasteur Tinglay de Myanmar, notre sœur Lily et notre frère Philippe de la France, notre sœur Brigitte Ndo de Blois nous salue également, notre frère Koulibaly ainsi que toute sa famille en Espagne nous salue, notre frère KMB de Kinshasa nous salue. Je n'oublie pas non plus les salutations de notre sœur Trifonie depuis Goma, qui nous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Salutations de notre sœur Emma, qui nous salue également. Que notre Dieu soit réellement glorifié. Levons-nous, nous allons prier et remercier le Seigneur pour sa grâce et sa bonté à notre endroit et aussi recommander la réunion de ce matin entre ses mains. Nous chantons, pour ceux qui ne connaissent pas, le cantique numéro 291 dans les fables. Notre Père, notre Père, quelle joie d'être tes enfants, notre Père. Et vers toi, nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Notre Père, notre Père, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant.
puissant, Dieu tout puissant. Que ton esprit nous anime, Dieu tout puissant. Nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour, Dieu tout puissant. Dieu tout puissant, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Dans ta sainteté, ta gloire, nous t'adorons. Et vers toi nos cœurs s'élèvent en réponse à ton amour. Nous soit béni. Asseyons-nous. Nous chantons le 179 dans les fardes. 179. Et si nous pouvons prendre le 344, ça serait bien. 179 et 344. Oui, certains chantent pour chasser la nuit de leur cœur, et d'autres chantent pour apporter la joie au cœur. Mais moi, je chante pour adorer mon Dieu. C'est en mon cœur, c'est en mon cœur, c'est en mon cœur, la mélodie d'amour divin. C'est en mon cœur, car il est mien et je suis sien. C'est en mon cœur qu'aime et veut chanter. C'est en mon cœur, c'est en mon cœur. Vous dites
Jésus petit tout pardonné. Vous dites comment son sang peut-il purifier? Et puis true.
Que Dieu vous bénisse. Elle écrit, loin des yeux, près du cœur, loin ou de loin ou de près, nous sommes tous unis par le repas spirituel qui est la parole de Dieu au cours des réunions. Je vous remercie tout de même pour vos prières adressées à la suite de la prise en otage des poumons de ma petite fille Daniela depuis sa naissance. Par l'ennemi. Elle se porte bien et respire déjà bien, sans oublier le merveilleux mardi lors de la prédication du pasteur Yves. Pour moi, le thème était la foi. Il avait dit, si vous croyez que Dieu exauce vos prières, demandez ce dont vous avez besoin, même la guérison, il vous répondra ce soir même. J'ai dit « Amen ». Je passais des nuits blanches très pénibles par des douleurs pour tout le corps. Je gémissais, je ne pouvais pas bouger étant couché. Mais depuis la prière de ce soir-là, tout va bien. J'avais dormi et oublié qu'il faisait déjà jour. Actuellement, je saute comme un ballon. Que le Seigneur soit loué et je veux chanter. C'est notre sœur Emma. Ma bien-aimée sœur, viens chanter pour la gloire de Dieu. Et j'avais reçu le jeudi une demande de cantique de ma sœur Evelyne qui voulait remercier le Seigneur pour sa guérison. C'est toujours d'actualité, ma sœur. Ok, tu chanteras juste après ma sœur Emma. Que Dieu vous bénisse. Amen. Malgré que je ne fasse rien de bon devant le Seigneur, il prend toujours soin de moi. Je vais chanter. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu? Seigneur, et qui suis-je? Garde-moi toujours. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Et ta parole est venue à moi pour me
tracé la route. Oh mon Dieu, efface mes doutes. Donne-moi ta foi. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Tu m'as donné la force de ton corps. Tu as changé ma vie. Alléluia, amen. Ô Seigneur, je t'en remercie une fois encore. Ô Seigneur, je t'en remercie une fois encore. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Ma sœur Evelyne. Everywhere he went, he was doing good. The mighty healer, he cured the lepers. When cripples saw him, they started walking. Everywhere he went, my Lord was doing good. When cripples saw him, they started walking. Everywhere he went, my Lord was doing good. Everywhere he went, he was doing good. The mighty healer, he cured the lepers. When cripples saw him, they started walking. Everywhere he went, my Lord was doing good. When cripples saw him, they started walking. Everywhere he went, my Lord was doing good. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Je remercie le Seigneur pour une année de plus qui m'a accordé aujourd'hui. C'est Karen. Bon anniversaire, Karen. Que Dieu te bénisse. Je vais inviter Anne-Gaëlle, Noah et Sarah. Nous voulons chanter un cantique pour la gloire de Dieu. Venez. Comment expliquer
Et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant acheté. Pour te dire quel Dieu merveilleux tu es, et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, c'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, pour la vie et pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour acheté, acheté. Je prendrai mes faibles mains pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, c'est tout comme la pluie, comme la pluie. Les mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, oh non, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, oh Père, tu entendras toujours. Merci pour la vie et pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, entends mon cœur, mon esprit qui te loue, esprit qui te loue. Entends les chants d'amour, un chant d'amour d'un enfant acheté. Enfant acheté.
je prendrai mes faibles moments pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je vais inviter tous les enfants à venir chanter pour la gloire de Dieu. Venez les enfants, venez chanter pour notre Dieu. Dès le matin, j'élève ma prière au Seigneur Tout-Puissant. Il est ma force, ma joie et la lumière, et je suis son enfant. De mon cœur jaillit la reconnaissance. Il s'est chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être à lui pour toujours, que son de son amour. De mon cœur jaillit la reconnaissance. Il s'est chargé de toute ma souffrance. Aussi je veux être à lui pour toujours, vivre de son amour. Hier et encore, je sombrais dans l'abîme où la mort m'attendait. Mais le Seigneur, dans sa bonté sublime, sur son cœur me pressait. Tout à lui pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Et c'est pour lui que je chante aujourd'hui, que son jour soit béni. Il me voulait tout à lui pour sa gloire, m'assurant de remporter la victoire. Il me voulait tout à lui pour sa gloire, m'assurant de
chante aujourd'hui. Notre sœur Carole de Canada remercie le Seigneur pour son amour et sa miséricorde à son endroit. Elle remercie aussi de tout cœur tous les frères et sœurs pour leurs prières. Le Seigneur a exaucé les prières des saints et donc elle a reçu l'accord de son travail pour les dates de la conférence pour l'année prochaine. Et son époux est aussi d'accord pour qu'elle vienne en Belgique. Elle sera donc parmi nous l'année prochaine à la conférence, si telle est la volonté du Seigneur. Que notre Dieu soit glorifié. Que le Seigneur soit béni. Nous chantons le 121 dans les fades. 121. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante alléluia. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante alléluia. Alléluia, ce salut joyeux qui chante alléluia. Que l'amour de Dieu, que c'est merveilleux, c'est un joyeux. Chante alléluia, c'est aussi pour toi. Dieu nous donne en Christ un salut joyeux, un salut qui chante alléluia, alléluia. Chante alléluia, sais-tu qu'il est aussi pour toi. Oh alléluia, c'est salut joyeux qui chante alléluia. Adorons avec joie le Sauveur, joignons au céleste bâillon. Gloire à
Jésus,
louange à Jésus. Alléluia. Mérite à Jésus. Alléluia. Mérite à Jésus. Alléluia. Mérite à Jésus. Alléluia. Mérite à Jésus. Alléluia. Honneur à Jésus. Alléluia. Honneur à Jésus. Alléluia. Honneur à Jésus. Alléluia. Honneur à Jésus. Saint Jésus, alléluia. Puissance à Jésus, alléluia. Puissance à Jésus, alléluia. Puissance à Jésus, alléluia. Kumi saye, kumi saye na Yesu. Oh alléluia. Kona Yesu alo kufa. Embele aye. Emmanuel, 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 Emmanuel,
d'être loué, digne d'être exalté, digne d'être célébré. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Il n'y a point de Dieu qui peut se comparer à toi. Il n'y a point de Dieu qui guérit comme toi. Il n'y a point de Dieu qui sauve comme toi. Il n'y a point de Dieu qui libère comme toi. Seigneur, ce matin, nous sommes venus dans ta maison avec nos fardeaux. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, il n'y a point de Dieu semblable à toi, Jésus. Tu es le seul, l'unique, qui mérite d'être loué, adoré et célébré. Seigneur, nous voulons exalter ton saint nom. Nous voulons réellement chanter pour la gloire de ton nom. Nous voulons que ce matin, que tu uses encore de bonté et de miséricorde à notre endroit. Seigneur, ce matin, tel que nous sommes, sans rien en nous, nous ne voulons rien cacher, Seigneur. Tu connais nos cœurs mieux que personne, mon Sauveur. Même si devant les hommes, nous paraissons comme si nous étions des saints. Mais Seigneur, tu sais voir ce qu'il y a au plus profond de nous, Seigneur. Oh, enlève l'amertume, enlève la colère, enlève la haine, enlève l'inimitié, enlève tout péché, Jésus. Tu es le seul qui est capable de le faire. Seigneur, toute maladie, c'est toi qui es capable de guérir, Seigneur. Oh, tout problème, c'est toi qui es capable d'apporter la solution. Seigneur, même quand il nous manque la foi, tu es capable de donner la foi. Seigneur, ce matin, nous voulons que tu nous augmentes la foi. Cette foi qui ne regarde pas aux circonstances, mais cette foi authentique, mon Sauveur, qui est fondée sur ta parole. Cette foi véritable, cette foi qui a été transmise une fois pour toutes à tous les saints, Seigneur. Ce matin, mon Jésus, ne t'arrête pas, Seigneur mon Dieu. Oh, mon Sauveur, arrête-toi sur notre chemin. Ne t'arrête pas, Seigneur, sur la voie des pécheurs, mais arrête-toi sur la voie des saints. Seigneur, ce matin, nous nous répandons devant toi parce que tu es là parmi nous. Seigneur, tu n'as pas changé. Laisse que ta puissance, laisse que ton Saint-Esprit confirme réellement la parole de ton serviteur, mon Dieu. Viens toucher les cœurs. Viens changer nos vies. Viens ôter tous les poids du cœur, mon Sauveur. Viens donner la paix, la joie, le zèle, mon Sauveur. Tu es là parmi nous. Tu es là, Jésus, pour nous faire du bien, Seigneur. Oh, Père, entends nos prières. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, merci pour les requêtes que tu as exaucées. Merci pour ta présence, Jésus. Merci parce que ta présence ne fait jamais défaut. Tu es celui qui dit un mot et la chose arrive, Seigneur. Ce matin, dis seulement un mot, Jésus. Dis seulement un mot, Sauveur béni, et nos vies seront changées. Dis seulement un mot et la situation de mon frère sera débloquée, Jésus. Dis seulement un mot et ma sœur trouvera la voie parce que c'est toi qui inspires, c'est toi qui révèles. Seigneur, souviens-toi de ton serviteur, notre pasteur. Ce matin, il a besoin de toi, que réellement qu'il soit rempli de ton Saint-Esprit, rempli de ta puissance, et qu'il puisse être conduit par toi. Que la parole, Seigneur, qui sera prêchée ce matin, soit réellement, ô Père, une parole de circonstance, une parole qui vient réellement à propos, une parole qui vient nous relever, une parole qui vient nous consoler, une parole qui nous nourrit. Oh oui, c'est notre nourriture spirituelle. Nous sommes dans la joie quand on nous dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Oh, bénis ton serviteur, Père, remplis le vase, Seigneur, que le Saint-Esprit du Dieu Très-Haut, que l'ange de l'Éternel puisse le guider et le conduire, Seigneur, qu'il se tienne simplement devant ta face et qu'il ouvre simplement sa bouche. Toi, tu parleras au travers de ton serviteur, mon Dieu, mon roi. Nous avons confiance en toi, Seigneur, que tu ne nous as jamais abandonnés. Jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, Seigneur, tu as toujours été là, Seigneur. Tu nous as toujours parlé, Seigneur. Quand, Seigneur, les ténèbres, Seigneur, mon Dieu, semblent nous envahir, mon Sauveur, ta parole qui est la lumière vient nous éclairer, notre Dieu. Oh, quand les situations semblent compliquées, mais par ta parole, Seigneur, tu nous éclaires et tu nous donnes la solution. Bénis-nous, Seigneur. Nous nous approchons de toi avec confiance. Voici le moment le plus important, mon Père. Nous avons chanté, nous avons dansé, nous avons glorifié ton nom. Seigneur, tu t'es senti élevé réellement. Seigneur, voici le moment où nous voulons nous taire, Seigneur, nous asseoir, nous rabaisser, et que toi seul tu te lèves en tant que Seigneur, en tant que Sauveur. Viens nous parler en tant que notre Père. Viens nous corriger, viens nous révéler ta pensée, ta volonté pour notre vie aujourd'hui. Seigneur, aujourd'hui c'est encore un jour de grâce. Enlève toute incrédulité à ta parole, enlève toute résistance, mon Dieu, que nous puissions être réellement des enfants dociles, que réellement ta présence puisse nous faire du bien. Sois loué, notre Père, sois glorifié à jamais, dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Beaucoup, Seigneur, ont tout abandonné, Seigneur. Beaucoup, Seigneur, en ces instants, de par le monde entier,
sont devant leurs écrans, Père. Tu vois les conditions difficiles dans lesquelles ils peuvent suivre cette réunion. Mais Seigneur, souviens-toi de leurs efforts, de leurs moindres efforts, Père, que tu puisses les bénir, Seigneur. Tout celui qui est devant son écran, Père, oh, s'attendant non pas à un homme, mais s'attendant à écouter la voix du bon berger. Seigneur, ne nous abandonne pas. Tu ne l'as jamais fait et tu ne le feras jamais. Viens, Seigneur, visite-les, parle-leur. Que celui qui s'attend à la guérison, que par l'écoute de la prédication, oh Seigneur, que tu confirmes, que tu guérisses, que tu ouvres les yeux, que tu délivres, Seigneur, que tu bénisses réellement ton peuple de par le monde entier. Louange et honneur à toi, que la connexion puisse être réellement effective, mon Sauveur. Que rien ne puisse perturber la connexion Internet ce matin. Que réellement ton peuple soit béni, Seigneur. Bénis mon frère Daouda. Souviens-toi de mon frère Emmanuel. Oh, bénis mon frère Samuel aussi, Père, pour l'interprétation lors de la prédication, Seigneur. Qu'il soit connecté, Seigneur, avec ton serviteur au Dieu vivant. Que le même esprit puisse réellement commencer depuis la chair, jusque, Seigneur, au dernier dans les bancs, Seigneur. Que tous ensemble, nous soyons unis d'un même cœur, d'une même pensée, d'un même esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Amen. Levons-nous, s'il vous plaît. Nous lisons la parole du Seigneur dans les livres des psaumes. Psaume au chapitre 118. Psaume chapitre 118. Psaume chapitre 118, nous lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier aux grands. Toutes les nations m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, car par elle entrent les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Je connais ce Dieu puissant qui relève tout défi. Peu m'importe
s'il m'a surgi. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. L'Éternel est dans le camp. Moi je garde confiance. L'Éternel est là. Que ton nom soit béni, notre Père. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit élevé. Parce qu'il est élevé au-dessus de tout nom. Nous te disons merci encore pour cette grâce. C'est vraiment une grâce, notre Dieu, de pouvoir réellement invoquer ton nom et chanter les louanges en ton nom. Or, de tout notre cœur, exprimer cet amour à ton endroit pour ce que toi, tu es vraiment pour nous, Père. Les jours où nous t'avons invoqué, c'est vrai, tu nous as vraiment exaucés. Tu nous as cherchés, oh notre Dieu, tu nous as mis aussi au large, Père. Tu nous as accordé la grâce de nous tenir encore dans ta présence, notre Dieu, pour que nous puissions être un peuple qui t'appartient, éclairé et conduit encore par toi. Et ce matin, Seigneur, nos âmes se sont aussi élevées devant toi, t'exprimant la reconnaissance, mon bien-aimé Seigneur, oh Dieu, pour ton amour à notre endroit, au travers des chants et des cantiques. Seigneur, nous t'avons prié, nous t'avons chanté, nous t'avons glorifié. Nous avons vraiment lancé des cris de joie devant ta face, mon roi, pour te montrer combien nous t'aimons, mon bien-aimé Seigneur. Et disant combien tu es aussi bon pour nous, Père. Et comme nous l'avons entendu encore ce matin, Seigneur, le psaume, car ta miséricorde durera toujours, notre Dieu. Tu as manifesté cela à notre endroit. Nous voici encore debout aujourd'hui, mon Seigneur. Tu as fait de nous des vivants, nous qui étions morts, mon bien-aimé Père Saint. Et c'est pourquoi nous te prions, te glorifions encore ce matin, Seigneur. Merci pour chaque frère. Merci aussi pour chaque sœur. Merci également aussi pour nos enfants, mon bien-aimé Père Saint. Pour tous les bien-aimés frères et sœurs de par le monde, mon bien-aimé Père oh Dieu. Qu'ils soient aussi bénis dans chaque lieu, se doit encore ce matin. Qu'ils soient aussi fortifiés aussi par toi, Père. C'est ton peuple à toi, mon bien-aimé Père Saint. Merci pour les psaumes. Merci pour le chant des cantiques, mon Père. Merci encore pour l'adoration, Père Saint. Merci pour chaque frère et chaque sœur que tu as rassemblé en cet endroit. Oh Dieu, que chacun soit béni. Et ceux qui sont encore ce matin connectés aussi en ces lieux, qu'ils soient aussi bénis, bien-aimés, patibissants. Seigneur Jésus, nous t'implorons encore la grâce, notre Dieu, parce que nous avons vraiment besoin de toi encore aujourd'hui, Père. C'est de toi que nous avons besoin à cet instant pour nous conduire et nous parler aussi, Père. Pardonne encore nos péchés et nos manquements, Père. Et exauce-nous encore ce matin. Car nous t'avons ainsi prié, mon roi, au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Il est merveilleux, notre Dieu, parce qu'il fait des choses qui dépassent même l'entendement des hommes. Il démontre qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous le remercions réellement pour sa fidélité, sa fidélité à sa parole et aussi à ceux-là aussi qui se sont confiés aussi à lui. Et nous le remercions vraiment de ce qu'il nous éclaire pour que nous puissions réellement marcher sur ce chemin que lui-même il a tracé avec assurance et aussi avec aussi beaucoup de confiance aussi à l'endroit de celui qui nous a appelés. La grâce que nous avons, c'est de pouvoir avoir eu à entendre sa voix qui nous a appelés. Et lorsque nous avons entendu sa voix, nous l'avons aussi reconnue. Et lorsque nous l'avons reconnue, nous avons réellement aussi décidé aussi de pouvoir le suivre. Et comme il avait dit lui-même, il a veillé à cela, que mes brebis à moi entendront ma voix. Nous le remercions vraiment de ce qu'il a eu à pouvoir déclarer cela. Parce que nous avons aussi réalisé que nous sommes aussi l'un d'entre eux, parce que nous avons eu la grâce de pouvoir entendre cette voix. Si aujourd'hui, mon frère, si aujourd'hui, ma sœur, tu n'as pas eu à pouvoir entendre cette voix, elle retentit encore. Et il appelle encore aujourd'hui ceux qui sont à lui, les brebis qui lui appartiennent. C'est donc nous avons besoin, c'est de pouvoir réellement nous asseoir à ses pieds pour que nous puissions aussi réaliser que c'est aussi lui qui nous a réellement appelés pour que nous puissions nous appliquer maintenant à pouvoir aussi le servir. Puisse le Seigneur, notre Dieu, accorder la grâce à chacun de vous. Je suis vraiment touché aussi de pouvoir vous voir rassemblés ce matin en ces lieux.
réalisant aussi qu'effectivement que le désir de tout un chacun est de pouvoir un jour voir sa face. C'est ce que nous désirons et c'est ce que nous cherchons de tout notre cœur. C'est pourquoi nous ne prenons pas à la légère notre préparation, mais nous considérons cela avec beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux, parce que nous savons qu'un jour, un jour certainement, un jour qu'il a lui-même aussi fixé, le Seigneur, notre Dieu, viendra chercher son peuple. Nous voulons réellement lui implorer la grâce pour qu'il nous accorde aussi cette grâce de pouvoir être certain que nous faisons partie de ceux-là qui lui appartiennent. Nous l'aimons parce que sa parole est vraiment un soutien pour chacun de nous. Et nous avons cette grâce de pouvoir réaliser qu'il est vraiment vivant. Et il a dit une chose qui est touchante dans sa parole. Il a dit ceci, qu'il y a beaucoup d'appelés, mais très peu de lui. Et c'est cela que nous devons aussi être conscients. Dans la masse, effectivement, et aussi dans le petit nombre, on doit se poser la question de pouvoir savoir où est-ce que nous en sommes. C'est pourquoi c'est avec beaucoup de sérieux que nous voulons prendre en considération réellement ce que le Seigneur lui-même fait et qu'il a fait. Nous aimons ce que le Seigneur lui-même fait et non pas ce que l'homme fait. Parce qu'il a dit dans les Saintes Écritures que tout homme soit reconnu pour menteur, mais que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Alors nous désirons vraiment que Dieu puisse prendre le contrôle de toutes choses, effectivement, de manière à ce que nous soyons sûrs et certains que là, nous sommes réellement dans la chose que lui-même a eu à pouvoir planifier. Parce qu'il a dit ceci, que l'âme qui pêche, c'est celle-là qui mourra. Nous avons besoin, je voudrais bien que tu puisses les fixer là-bas, parce que je pense que c'est un petit problème. Juste le mettre tourné par là, quand j'en aurai besoin, tu m'aideras. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Il est absolument important que nous veillions effectivement à ce que cette âme que Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir puisse réellement aussi vivre et qu'elle reçoive effectivement ce qui est nécessaire pour qu'elle puisse se tenir effectivement dans la présence de Dieu. Dans l'âme de l'homme, il y a soit le oui ou le non. C'est vrai, c'est soit la foi ou le doute effectivement qui peuvent arriver à pouvoir réellement aussi agir. Comme vous savez que l'homme est composé de trois parties, le corps physique que vous voyez, et puis l'esprit qui est à l'intérieur qui fait mouvoir effectivement ce corps, et là, l'âme effectivement de la personne qui fait ce que vous êtes effectivement. Et c'est cela que tout un chacun de nous, nous devons réellement aussi être conscients de la grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir savoir que le croyant, lui, il ne vit pas par ce qu'il voit, parce que ce qu'il voit simplement, c'est l'enveloppe. Le plus important, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est cela que nous cherchons à pouvoir plaire notre Dieu, à viser effectivement que l'homme spirituel, cet homme spirituel créé selon la parole de Dieu, c'est celui-là qui est très important. Parce que l'homme naturel que nous voyons, qui est charnel, il doit retourner à la poussière. Vous pouvez l'embellir comme vous voulez, faire de lui tout ce que vous voulez et lui faire couper, changer tout ce que vous voulez. Ce n'est que de la terre. Amen. Un jour, il devra retourner à la poussière. L'homme naturel que vous voyez ne pourra jamais aller au ciel. Il faut qu'il retourne. Parce que quand Dieu dit une chose, la chose doit arriver. Il dit, tu as été tiré de la poussière, tu dois retourner à la poussière. Donc, ce qui est cher, chair, ce qui est esprit. Il faut réellement que nous comprenions ces choses. C'est aussi la raison pour laquelle nous nous rassemblons. Nous ne nous rassemblons pas parce que nous voulons aller dans une église ou dans une religion quelque part, effectivement, parce que dans les églises, dans les religions, nous y avons été. Mais nous n'avons rien trouvé de bon là-dedans. Maintenant, nous voulons être dans la chose réelle de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons lire dans le livre des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens au chapitre 1, je pense que c'est cela. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, je pense. Oui. Yeah. Un Thessaloniciens
au chapitre 1 et nous lisons effectivement au verset 8. Premier épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, verset 8, nous lisons. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle sorte, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et est vrai. Et pour attendre aussi du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Que ton nom soit béni, ô Maître béni. Qu'il soit aussi glorifié encore ce matin pour la grâce que nous avons de pouvoir nous tenir aussi ici, Père. Ô Dieu du ciel, nous nous préparons. Ô Dieu, pour ta venue, mon sauveur. C'est vrai, nous sommes des hommes, mais toi, tu es parfait. Le seul qui peut nous rendre parfaits, c'est toi. Oh, nous avons des faiblesses, mon bien-aimé Seigneur. Mais toi, qui es le Dieu qui pardonne aussi et qui accorde la grâce, pourquoi nous venons humblement devant ton trône de grâce, ô notre Dieu, pour te supplier encore ce matin de nous accorder la grâce de pouvoir recevoir la part que tu nous as destinée, mais qu'elle tombe réellement dans une bonne terre, mon sauveur. Puisses-tu aider mon frère, puisses-tu m'aider aussi, aider chacun de nos pères, ô Dieu, afin que nous puissions vraiment être respectueux, aussi attentifs à ta voix, à toi, Seigneur, sachant que ta parole à toi, elle est tellement importante pour nous parce qu'elle nous aide à pouvoir savoir comment nous conformer à ta volonté. Bénis-nous, Père, et pardonne-nous encore. Pardonne-moi, Père, et soutiens-nous. Je t'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et le Seigneur bénisse chacun de vous, vous qui êtes venus de loin comme de près. Comme j'ai eu à pouvoir apprendre que notre frère Abed serait ici ce matin, que le Seigneur te bénisse. Venant de Londres pour aussi être parmi nous, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Sens-toi chez toi. C'est chez toi de toutes les façons. Que le Seigneur soit béni. Nous lisons dans l'épître de Paul aux Thessaloniciens, nous l'avons lu chapitre 1 et le verset 8. Nous réalisons que cet homme de Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu et s'adressant effectivement au peuple de Dieu, il avait une responsabilité que le Seigneur l'avait confiée, c'est de pouvoir réellement apporter la parole et instruire effectivement aussi l'Église du Dieu vivant, et comme il a fait part effectivement dans le livre de Colossiens, je pense que cela, effectivement, on disait que c'est d'elle que j'ai été établi ministre, effectivement, pour apporter pleinement la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse recevoir la parole qu'il leur était donc destinée. Il avait donc cette tâche. Et comme vous savez, d'abord, il était auparavant dans l'erreur où il professait des choses dont il ne comprenait pas tellement très bien parce qu'il était réellement plongé dans ce qu'il avait, comme lui-même il s'est référé en disant « J'étais tellement zélé dans les traditions de mes pères » et il pensait qu'effectivement qu'il servait vraiment le Dieu vivant, même si, parce qu'il s'est référé à Abraham, il s'est référé à Moïse, il s'est référé aussi aux prophètes, ainsi de suite. Donc, pensant que dans cet état dans lequel il était, il servait réellement le Dieu vivant. Il était quand même quelqu'un qui croyait qu'en ces dieux-là, effectivement, puisqu'il savait comment il opérait. Mais il était vraiment dans l'erreur de la manière dont il agissait. Et voilà que le Seigneur lui accorda la grâce, effectivement, pour que ses yeux puissent arriver à pouvoir s'ouvrir et que maintenant il puisse recevoir la parole du Seigneur, afin qu'il puisse aussi maintenant, puisque comme je pense que lorsqu'Ananias était venu, je suppose que le Seigneur lui a parlé de ce qu'il allait faire effectivement de cet homme-là, qui d'abord, parce qu'Ananias disait, mais Seigneur, mon Dieu, cet homme, tu connais comment il est, effectivement, il persécute, il ravage effectivement là-bas, parce qu'il était effectivement dans cette tradition. Comme lui-même le dit aussi, oh, quant aux zèles, lui-même Paul dit, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, effectivement. Donc il reconnaissait effectivement
la position dans laquelle il était avec les enseignements qu'il avait. Et dans cet état dans lequel il était, effectivement, oh oui, il pensait que si il mourait, certainement qu'il allait voir Dieu. Mais quelle surprise, effectivement, que sur le chemin de Damas, alors qu'il était convaincu en se disant, moi ici, Paul, je meurs, je veux voir le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ainsi de suite. Mais il n'avait pas réalisé une chose que quand on disait que c'était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et ceux-là qui se référaient effectivement à ces dieux, il s'était passé quelque chose qui était en relation avec ces hommes, avec Dieu. Parce qu'on ne pouvait pas dire le Dieu d'Abraham si Dieu n'était pas fait Dieu d'Abraham. Et qu'Abraham n'avait pas eu l'expérience avec ces dieux-là. Donc Abraham, lui, pouvait être sûr et certain que s'il fermait les yeux, il verrait le Seigneur. Ah oui, Isaac aussi la même chose, Jacob aussi la même chose. Donc ces hommes-là avaient l'assurance, effectivement, que si leurs yeux se fermaient et qu'ils les ouvraient, ils seraient de l'autre côté. Et c'est vrai, parce que ils sont tous morts, effectivement, mais dans la foi, comme l'Écriture le fait savoir. Mais lui, ces références-là, effectivement, il pensait aussi, mais comme Abraham a cru, effectivement, aussi, comme Isaac a cru, et nous sommes la descendance et la postérité d'Abraham aussi, et puis, avec eux, ce que les Sanhédrin, ce que nous avons reçu, que nous avons, les Gamaliel, et ainsi de suite, effectivement, ah oui, moi, Paul, quand je fermerai mes yeux, je mourrai, c'est sûr et certain que je verrai les dieux de mes pères, parce que il les servait avec autant de zèle, selon la tradition de ceux qui le recevaient. Et voilà que c'était triste, mon frère et ma sœur, cet homme, effectivement, qui s'est confié dans ces choses-là, il pensait que si vraiment il mourait, il verrait Dieu. Mais quelle surprise! Quelle surprise! Sur le chemin de Damas, alors qu'il allait en disant que je suis sur le chemin du devoir, après avoir reçu les lettres du Sanhédrin et tout cela, et qu'il avait l'appui de tous les prédicateurs qu'ils étaient ensemble avec, effectivement, dans le système, dans le groupe dans lequel ils étaient, sur ce chemin-là, il dit, moi, je vais effectivement accomplir ce qui est juste aux yeux de mon Dieu, pour que quand je serai mort, j'aurai donc la récompense de l'autre côté. Voilà que sur ce chemin, pendant qu'il allait, la lumière lui apparaît. Lui qui connaissait effectivement qui était donc leur Dieu, il savait que Dieu s'est manifesté dans la lumière. Et maintenant, il pose la question de pouvoir savoir, mais qui es-tu donc, Seigneur? Lui, l'homme qui avait l'assurance que si je suis en train de servir Dieu, c'est important. Je connais parce que je suis né je suis circoncisé le huitième jour, né juif ainsi, hébreu d'hébreu, ainsi. Je connais Moïse, j'ai étudié Moïse, évidemment, j'ai étudié les prophètes, donc je connais Abraham, ainsi de suite. C'est sûr que quand je fermerai mes yeux, je le verrai parce que je connais ces dieux. En fait, il servait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Mais quand Abraham servait Dieu, il connaissait Dieu. Parce que quand on dit que toi et moi, nous sommes la postérité d'Abraham, il faut que nous comprenions pour quelles raisons on dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Parce que quand on est appelé la postérité d'Abraham, eh bien, ça veut dire qu'on a ce qu'Abraham avait. Est-ce que vous suivez? Oui. Voilà que là, il crie en disant, mais qui es-tu, Seigneur? Et la voix lui dit, moi ici, je suis Jésus que tu persécutes. Alors l'homme est devenu juste. Il dit, c'est pas possible. Il dit, non, je connais qu'un seul Dieu. Et depuis donc ma jeunesse, j'ai été là, grandi là-bas dans ce qu'on appelle effectivement les pharisanismes, effectivement, comme cela a été cette secte, effectivement. Il dit, là, je connais que Moïse nous a bien enseigné que, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul. Tu n'auras jamais d'autre Dieu devant sa face. Tu ne pourras jamais te procéder ni adorer notre Dieu que lui seul. Et c'est lui qui est le Seigneur.
Et toi, maintenant, si je persécute, je poursuis ces gens-là. C'est parce que moi, j'ai connu et j'ai appris que chez Jésus-là était un imposteur. Cet homme qui est venu sur la terre, effectivement, qui a enseigné, on a appris que c'était un imposteur parce que nous avons aussi appris, effectivement, qu'il était contre Moïse, ainsi de suite, parce qu'il ne se référait pas à Moïse, ainsi de suite, après ce que nous avons appris. Et c'est pour ça que tous ceux qui ont cru, effectivement, à ce Jésus, qui ont fait de lui ce Messie, qui ont fait de lui, effectivement, fils de Dieu, eh bien, ils sont tous des héritiers, effectivement, d'après ce que nous avons eu à voir. Donc, c'est cela que je poursuis, parce que je fais l'œuvre de Dieu. Et toi, tu viens dans la lumière. Parce que je sais que la lumière n'est que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qu'Abraham a adoré. Et le Dieu, effectivement, qui a conduit nos pères, effectivement, dans les déserts, jusque dans le pays de la promesse. Parce que Dieu est lumière. Et c'est ce Dieu-là que moi, je sers. Et je persécute, je cherche à détruire effectivement les hérétiques là qui croient c'est Jésus. Et je pose la question et j'entends la voix qui me dit, je suis Jésus. Mon frère et ma soeur, quel bouleversement dans la vie d'un homme. C'est pourquoi quand il nous dit que tout ce que j'avais appris, je l'ai considéré comme étant de la perte et de la boue. Vous imaginez? Depuis sa jeunesse, et puis, le dévouement qu'il avait dans les traditions, il dit, mais j'ai considéré cela comme étant de la... Je commence par la Philippiens, je pense, pour les lire. Philippiens. Chapitre 3 de Philippiens. Au reste, frères, verset 1, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles persécutaires de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc cet homme était vraiment, quand on regardait la loi, on le regardait, évidemment, il était un saint. Donc pour lui, il se disait, je meurs aujourd'hui, je vais au ciel. Mais dans l'état dans lequel il était, mon frère et ma soeur, le ciel lui était fermé. Oh mon frère, oh ma soeur, c'est quand même fort ça. L'homme qui nous dit effectivement que, quant à la loi, il est bien ici, irréprochable à l'égard de la justice et de la loi. Donc cet homme, et puis il explique en disant, mais il dit, pharisien, il dit, quant à la loi, pharisien, donc l'homme qui veille quand vous tournez là, il dit, donc tout ce que la loi a dit, donc il faut que je le retrouve dans moi. C'est comme cela qu'il était mon frère. Ah, il était tellement chaud dans cela. Et voilà qu'il nous dit lui-même, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Eux-mêmes, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Vous entendez cela? Je répète bien, au verset 6, il dit, quant aux zèles persécutaires de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Vous suivez? Maintenant, regardez bien, verset 8, il me dit, et même
Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je regarde comme de la boue, je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Verset 9, il dit. Et d'être trouvé en lui, prêtez attention, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Vous voyez que cet homme a réalisé quelque chose dans sa propre vie. C'est pour ça, pour l'amour de Dieu, frères et sœurs, vous remarquerez toujours l'apôtre Paul remerciant Dieu toute sa vie pour la grâce que Dieu lui a accordée. Il dit, j'ai reçu cette grâce comme grâce. Parce que j'étais quelqu'un, vous savez, parce que c'est vraiment, vous savez, cet homme était dans la loi de Moïse, s'il vous plaît. Et il se conduisait d'une manière irréprochable. Frère, comment peux-tu faire comprendre à quelqu'un qui est toujours dit, mais comme Moïse l'a dit, c'est comme ça que je suis, et lui dire que tu ne pourras pas aller au ciel. C'est pas possible. Parce que cet homme est vraiment plongé, convaincu, parce que Moïse l'a fait savoir, et la loi l'a dit, nous, pharisiens, voilà comment nous sommes, ça doit être comme ça, et j'ai fait tout depuis, d'ailleurs, depuis ma jeunesse, ma naissance. D'abord, on dit, mais de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, circoncis par le 9e, par le 3e, par le 10e, le 8e jour. Donc, il était certain que là, ici, ça va. Je vais vraiment au ciel. Et en plus, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire de plus, puisque tout ce dont nous avons besoin, Moïse l'a dit, et que nous l'avons déjà effectivement là, et nous nous accrochons à cela, et nous faisons cela. Et voilà que, alors que convaincu comme cela, effectivement, dans son esprit, dans ce qu'il est, effectivement, frère, un homme comme ça, vous pouvez lui prêcher, vous pouvez lui dire, d'ailleurs il serait assis en train de vous regarder, il dit, mais lui il connaît rien. Moi, depuis ma... D'ailleurs, je suis né dans ces choses-là. Enseigné par le grand enseignant qu'on connaît bien, qui s'appelle Gamaliel. Donc, si je suis là simplement pour... simplement par ça, mais il n'y a rien que je peux apprendre. Parce qu'il est convaincu, pas par Dieu, s'il vous plaît. Convaincu par lui-même. Parce que c'est dit que moi, depuis que je suis né, c'est comme ceci, effectivement, c'est comme cela, effectivement. Donc, il était convaincu. Mais regardez, frère, quand Dieu, c'est pour ça, il a les larmes, il pleure, il dit, mais quand il a plu, ça, aucun homme ne veut me secourir à cet endroit-là, où j'étais là, convaincu, et t'as dit, mais moi, tout ce que Moïse a dit, ce que j'avale. Toi, tu n'as rien à me dire parce que je crois. Et puis, qui peut contredire Moïse? Moïse était un prophète parfait. Enraciné dans ces choses, effectivement. Il s'habillait en tant que pharisien, messieurs. Oh, mon frère et ma soeur. Que Dieu nous accorde la grâce. Il dit, mais vous connaissez comment j'étais zélé. Alors là, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part. Vous savez, ces paroles que nous entendons, il faut aussi que quand nous écoutons, nous puissions chercher à les appliquer aussi à nous-mêmes. Parce que le Seigneur parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. C'est une grâce énorme d'être appelé de lui. Et surtout, frères et sœurs, d'être assis comme nous sommes, alors que nous avons encore le souffle de vie, parce que si ce souffle est enlevé, vous ne saurez plus vous repentir. Chaque jour que Dieu te donne et qui avance, c'est une grâce.
N'endurcis pas ton cœur. Comme l'Écriture dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Oui, mon frère. Ah oui. Oui, il était vraiment un homme plongé dans les Écritures, certainement. C'est vrai, selon la tradition de ses pères et selon la vision. Vous n'avez jamais remarqué, frère, parce que c'est quand même assez étonnant. Hein? Et ça, c'est là qu'on voit la puissance du surnaturel. Jésus-Christ, notre Seigneur, entre en scène. Il pose problème à personne. Mais les groupes de pharisiens, parce que c'est de là que Paul appartenait en fait, des hommes qui étaient vraiment zélés, et je me souviens que nous avons eu à pouvoir lire ça aussi ensemble avec vous ici. Hein. Oh, vous vous souvenez quand, oui c'était cet homme avec de naissance, vous vous souvenez? Il y a longtemps, là, cet homme avec de naissance, vous vous souvenez? Peut-être le lire rapidement, puis nous allons vite revenir dans Thessaloniciens. Donc, dans Jean, chapitre 8, je pense, que c'est cela. Jean, chapitre 8, il nous dit une chose ici. Ah. Oh, nous aimons la parole de Dieu, hein? Ah oui. Ah. Oh, petit pardon, je crois que c'est chapitre 9. Oui, c'est chapitre 9, oui. Chapitre 9, pardon, de Jean. Il dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples, lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Est-ce que vous avez compris? Je veux que vous compreniez bien, frère. Quand ils ont vu cet aveugle-là, est-ce que vous suivez? La question qui lui avait été posée n'était pas pour tous les aveugles, c'était pour cet aveugle-là. Donc le Seigneur leur répondait à la question pour l'aveugle-là. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, il dit une chose, parce qu'il dit ceci, que ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, dans celui-là, le Seigneur, quand il passait, il savait qu'il serait là et que Dieu avait prévu que lui soit là pour qu'il fasse quelque chose afin que les témoignages soient rendus. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, frères et sœurs, dans les choses de Dieu, c'est absolument important que vous sachiez que ce soit vous, frères, vous, sœurs, qui êtes fils de Dieu, ne faites jamais quelque chose en tant qu'enfant de Dieu sans être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que quand vous êtes des hommes tels que nous sommes, oui, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par la vue, par ceci et cela, par ça, vous pouvez le faire. Mais quand vous dites que vous êtes un enfant de Dieu, un fils de Dieu ou une fille de Dieu, c'est que vous dites que je suis né de Dieu. Et comme tu es né de Dieu, comme tout enfant, son père veille sur lui, c'est le père qui l'éduque effectivement, qui lui montre ce qu'il doit faire effectivement. Alors, la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc il faut arrêter de prendre des décisions, de dire que moi je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais aller ici, je vais aller là-bas. Non, monsieur. Depuis que maintenant je suis né de lui, je ne fais rien de moi-même. Le Seigneur lui-même nous l'a montré. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Donc, toi aussi, ma sœur, toi aussi, mon frère, il faut que Dieu te conduise dans ce que tu dois faire. Souvent, nous sommes révoltés. Parce que la volonté de Dieu ne rencontre jamais souvent notre volonté. Ah oui? On se plaît, effectivement, à ce que nous puissions. Et puis, on dit, oh Seigneur, je suis un fils de Dieu. Un fils de Dieu, une fille de Dieu. Attends à ce que son père puisse le conduire. Lui montrer effectivement ce qu'il doit arriver à pouvoir faire. J'ai un projet. Oh oui, mon frère, j'ai un projet, je pars. Non, je vais d'abord consulter l'Éternel. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté à toi que je fasse ce projet ou pas? Aujourd'hui, frères et sœurs, nous n'avons plus cela. Nous sommes tous rapides à faire ceci, à prendre des décisions. Non,
Arrête-toi un moment. C'est vrai que tout est urgent aujourd'hui, tout est précieux aujourd'hui, enfin, pression. Mais un fils de Dieu ne doit jamais être sous pression. Quand vous prenez des décisions sous pression, c'est là que vous commettez beaucoup d'erreurs. Parce que la pression vient toujours de Satan. Avec Dieu, c'est toujours dans le calme. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de la patience. Et ça, souvent, l'homme n'aime pas la patience. Il faut que ça soit vite fait, vite fait, vite fait. Non, Dieu veut que tu sois patient. Et c'est dans la patience, effectivement, que nous avons du jour. Alors, il dit, voici donc, effectivement, ce qu'il en est. Il dit, voilà, afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut donc, écoutez bien, il faut donc que je fasse ce que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Quelle perfection, n'est-ce pas? Quelle perfection, mon frère. C'est pour ça, quand on sert Dieu, il faut savoir quelle position vous avez. Oui. C'est pas que je me lève comme ça du matin, je dis, bon, je sens que je vais être pasteur, je veux être serviteur de Dieu, ou soit j'ai un problème avec un, je sors ici, je vais construire une case à côté là-bas, avec du bois petit, etc. Et vous savez que ces gens de personnes, effectivement, quand ils font ça, les gens les suivent. Hein? Les gens les suivent, effectivement. C'est quand même terrible. Mais nous, le Seigneur nous instruit. Pour que nous sachions, effectivement, qu'est-ce que c'est que la conduite de l'esprit. Oui, parce qu'il a dit, God bless you, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le consolateur, qui est l'esprit de. Qu'est-ce qu'il fera? Il vous conduira dans toute. Or, la vérité, c'est. Voilà. Quelque chose qui n'a pas de fondement ici, n'y touchez pas. Ça peut paraître beau, grand. C'est toujours beau, hein? Toujours grand aussi, effectivement. Ça paraît beau, effectivement. Mais il n'y a rien de vie là-dedans. Ça, nous devons vraiment être très attentifs aux choses de Dieu et surtout pour notre âme. Tout ce que Dieu fait, frères et sœurs, ce que Dieu fait aujourd'hui, c'est pour ton âme à toi. Mon précieux frère l'a lu tout à l'heure, vous avez prêté attention. Je te loue parce que tu es devenu. Vous avez entendu cela? Tu es devenu mon salut. J'aime bien cette version-là. Tu es devenu mon salut. Donc, ton âme à toi ayant trouvé grâce aux yeux du Seigneur, c'est une grâce. Ah oui, il dit, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. Toi, si le Seigneur aussi t'a choisi, toi, tu dois savoir ce que le Seigneur attend de toi. Aucun fils de Dieu, aucune fille de Dieu, je parle bien de fils et de filles, ne peut servir Dieu à l'aveuglette comme ça, comme battant l'air. Amen. Non, monsieur, parce que s'il t'a appelé, sœur, s'il t'a appelé, mon frère, il te fera savoir pourquoi il t'a appelé. Amen. Parce que nous étions bien dans différentes religions. Mais s'il s'est dérangé pour te faire sortir, c'est qu'Abraham, il n'a pas fait sortir pour rien. Il n'a pas dit, bon, sors et puis il sort, effectivement. Non, il dit, mais qui ton père et ta mère? Donc détache-toi et va-t'en dans le pays que moi je te montrerai. Donc Dieu devait lui montrer où il allait. Et qu'il allait rater où c'est? Dans un autre pays. Donc toi aussi, si le Seigneur t'a appelé, effectivement, et t'a fait sortir, toi sœur, toi frère, si le Seigneur t'a appelé véritablement, il doit te dire pourquoi il t'a fait sortir. Vous savez, cette manière de faire de Dieu va changer beaucoup dans ta propre vie. Ça veut dire que ta marche à toi sera différente des autres qui sont des suiveurs. Amen. Toi, tu sais. Amen. Pourquoi Dieu t'a fait sortir. Amen. Abraham savait. Amen. Mais l'autre ne le savait pas. Amen. Alléluia. Amen. Abraham savait pourquoi Dieu l'a fait sortir. Amen. Et où il allait. Et l'autre était quelqu'un qui suivait. Donc toi, tu dois être certain de ton appel parce que c'est vraiment le temps où Dieu appelle les siens.
où cet appel a retenti, effectivement, il faut. Alors, Dieu ne peut pas te laisser dans l'ignorance. Avant, quand tu n'avais pas Dieu, que tu ne marchais pas avec Dieu, tu étais l'ignorant. Mais maintenant, qu'il t'a fait sortir, il s'est fait connaître à toi, maintenant, il doit te dire ce qu'il en est. C'est pour ça qu'on parle de la révélation, non? C'est vrai ou pas? C'est sûr et certain. Nous continuons. Alors, verset 5, il dit, « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y a là, se lava et s'en retournant, et voyant clair. Ses voisins, et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disaient, « Mais n'est-ce pas, là c'est lui qui se tenait assis et qui mendiait. » Les uns disaient, « C'est lui !» D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble !» Et lui-même disait, « Mais c'est moi !» Ils lui dirent, « Mais donc, mais comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Parce que c'est une chose impossible. « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit, « Mais l'homme qu'on appelle Jésus. » J'aime cela, mon frère. Oh oui, oh oui. Il dit, « L'homme qu'on appelle Jésus. » Quelle miséricorde de Dieu, frère. Cet homme s'est trouvé à cet endroit, il n'avait pas d'espérance. Parce qu'étant né effectivement aveugle, il n'y avait pas possibilité qu'un jour il se dise que je vais voir. Parce que... Mais Dieu, dans sa grande miséricorde, cet homme ne savait pas. Mais dans sa grande miséricorde, le Seigneur qui vient sur ce chemin-là, il dit, cet homme qu'on appelle Jésus, donc l'homme qu'on appelle Jésus, c'est ça qu'il dit. Donc, qu'on appelle Jésus, verset 11, a fait de la boue et a oint mes yeux et m'a dit, vous entendez ce qu'il dit, hein? Je répète encore. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je puis voir. Il lui dit, mais où est cet homme? Il répondit, et je ne sais, parce qu'il ne voyait pas. Donc, il a entendu parler, mais il ne voyait pas. Mais c'est quand il est parti se laver, il vient maintenant, il le cherche, il ne le trouve pas. Il dit, mais je ne sais. Il répondit, mais je ne sais. Verset 13 dit, il menait vers le pharisien celui qui avait été aveugle. Donc, tous, ils avaient les témoignages que cet homme était né aveugle, effectivement, et que maintenant... Son témoignage les a touchés, il amène maintenant vers le pharisien, donc le croyant, qui croit effectivement au miracle parce que Moïse était un prophète de miracle. C'est vrai quand même, non? Parce que les pharisiens étaient disciples de Moïse, dans les livres. Donc on l'amène effectivement, dit, mais oui, en fait, mais regardez bien, cet homme était aveugle et que maintenant, il voit. Et il nous a dit que, oh, c'est Jésus-là qui l'a fait, qu'en fait, que le Dieu s'ouvre, effectivement. Alors, c'est Jésus, il doit être, oh là là, un prophète de Dieu, parce qu'il a amené, en fait, c'est des gens pour dire, comme vous êtes des croyants, que vous croyez au miracle, mais voilà que le miracle, parce qu'il croyait le miracle que Moïse avait fait. Le problème avec ce genre de personnes, nous allons y arriver, Dieu voulant, nous avons le temps peut-être, hein. Il croit simplement au miracle que Moïse avait fait. Moïse était un puissant prophète. Frère, nous parlons de la Bible. Hein. Moïse est un puissant prophète, effectivement, il a fait des miracles, il a fait. Et nous, nous sommes des prédicateurs, disciples de Moïse, effectivement, parce que Dieu a été avec lui, il a fait. Oh, Dieu est tellement grand dans Moïse. Dieu est tout puissant dans Moïse. Comment? Parce que dans leur temps, ils parlaient de Moïse, effectivement, comme il avait fait dans son temps, effectivement. Vous comprenez? Maintenant, on leur ramène un cas réel qui est dans le présent, maintenant. Dans le présent maintenant. Alléluia. Puisque vous croyez à Moïse qu'il fait des miracles. Soit vous voyez que Dieu fait des miracles, non? Dans le présent maintenant, on vous amène. Un miracle vivant sous vos yeux. C'est là qu'on voit la foi. Oh oui, mon frère. Allez, regardez, nous continuons la lecture. Hein? Alors, on dit, oui. On dit, oh. Et puis, ils disent ici, il le menait
Maintenant, il y avait le pharisien, celui qui avait été avec. Oh, écoutez bien. Vous allez comprendre maintenant pourquoi le Seigneur a fait la boue et qu'il a dit, va te laver. Vous vous souvenez, non? Oh, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. J'aime Jésus. Parce qu'il pouvait dire effectivement que tes yeux s'ouvrent, que ta vue vient. C'est vrai, non? Parce qu'il a fait avec Bartimée, non? Et là, j'aime le Seigneur. Il est merveilleux, frère. Chaque chose qu'il fait a un but. Il a pris de la boue, hein? Donc il a travaillé, n'est-ce pas? Il a pris de la boue. Alléluia! Oh, il est merveilleux. Oui, monsieur, vous pouvez dire, mais pourquoi il a fait? Il savait. C'est pourquoi quand Dieu fait quelque chose, toi crois. Il sait parfaitement très bien pourquoi il est fait ainsi. Amen. Alléluia. Allez, mon frère, ma soeur, nous avons un défaut, c'est que nous limitons Dieu. Il va faire comme ça. Ne faites jamais, jamais ça. Amen. Laissez, parce que Dieu, nous l'avons toujours dit ici, Salomon, quand il a prié, il dit, mais le ciel des cieux ne peuvent se contenir. Tu ne peux pas mesurer l'intelligence de Dieu, ni arriver à pouvoir comprendre. Parce que ce que toi, tu comprends de Dieu, c'est la partie que Dieu veut que tu comprennes. Il remplit l'espace. C'est pourquoi, n'ayez jamais peur de Satan. Parce que le Dieu que nous avons, que nous servons, alléluia, il est omniscient, il est omniprésent, il est omnipotent. Donc il peut être partout, à tout moment. Et ça, Satan ne peut pas l'être. Parce que Satan est un ange que Dieu a créé et qui a aussi séduit aussi les autres anges, effectivement. Donc il ne peut faire que ce que Dieu lui permet et il n'a pas la puissance d'être partout. Non, monsieur, ce sont les démons. Oh, frère, nous avons un Dieu puissant. Je connais. Amen. Alléluia. Mon frère et ma soeur, nous avons ces dieux puissants. C'est pourquoi l'Écriture dit que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Ce n'est pas pour rien que tout l'enfer tremblait quand il marchait. Vous ne réalisez pas celui qui est votre Dieu. C'est pourquoi j'ai toujours eu à pouvoir le dire, mon frère et ma soeur, que un fils de Dieu ne peut pas être un mendiant. Non, 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 non. Un fils de Dieu ne peut pas être un mendiant. Parce que sous le ciel, tout lui appartient. Donc appartient à qui? À votre Père. Et si tout lui appartient, alors il pourvoira. La seule chose qui demande, c'est que vous soyez fidèles. Que nous puissions réaliser effectivement ce que lui, il est pour nous. Hein. Alors il dit, mais il dit qu'il a fait de la boue. Il y avait bien une but. Parce que pour le Seigneur, je l'aime beaucoup, frère. Que Dieu nous accorde la grâce de l'aimer de tout notre cœur, d'avoir vraiment confiance en lui. Nous ne serons jamais pareils, frère. C'est la vérité. Nous serions un peuple tellement si fort. C'est pourquoi la Bible dit que quand ils prièrent, les lieux étaient tremblants. Parce qu'ils savaient si nous avons le temps pour y arriver. Ils savaient. Ils savaient. Souvent, nous jouons la comédie, frères et sœurs. Nous jouons la comédie chrétienne. On le voit. Parce que regardez, si le Seigneur l'a fait, il savait effectivement ce qui allait se passer. C'est comme quand vous êtes assis ici, Dieu sait très bien ce que vous êtes. L'esprit qui vous anime, ce que vous pensez pendant que la parole de Dieu est prêchée. C'est pourquoi vous vous tuez vous-même pour rien. Il y a une chose que vous devez être conscient, c'est qu'il est toujours présent. Amen. Quand nous nous tenons ici, et 100% c'est vrai, quand nous nous tenons ici, je disais, je ne sais pas si à mon précieux frère ou à qui, je dis, mais si seulement un jour le Seigneur pouvait ne faire qu'ouvrir les yeux de quelqu'un, pour qu'il voie ce qui se passe ici, je crois que la personne fuirait. Mais ce que je vous dis est vrai. Oui. Parce que si simplement les yeux s'ouvraient, que vous voyez ce qui se passe en cet endroit,
Vous direz, mais ce n'est pas possible, on n'a jamais eu, on ne faisait pas attention. Évidemment, c'est ce qui se passe, effectivement. Juste un exemple que vous vous souvenez quand Élisée s'était né debout. God bless you. Et l'armée de Dothan était là, l'armée des Syriens était tout autour, effectivement. Et il avait Géasi juste à côté. Juste à côté, Géasi était là. Et Géasi, peut-être qu'il se disait, mais cet homme ici, il est inconscient. Et c'est sûr, c'est souvent ça qui se passe. Hein. Il est inconscient, il ne voit rien. Mais comment est-ce possible? Vous pensez que lui pensait qu'il voyait mieux que lui. Mais ce n'est pas possible, parce que tu ne vois pas cette armée qui est là. Et lui était tranquille, il ne disait rien. Il regardait. Frères et sœurs, quand Dieu choisit un homme, il lui donne de quelque chose. Amen. C'est sûr et certain. Parce que, pouvez-vous penser, frère, un homme qui sert le Dieu très haut, le Dieu du ciel, il ne sert pas un homme, mais il sert Dieu. Et cet homme est un instrument de Dieu. Dieu va-t-il le laisser comme cela? Parce qu'Élisée ne s'était pas choisi lui-même. C'est Dieu qui l'avait choisi. Bien sûr que oui. Et voilà que l'armée des Syriens était là. Puis Géasi dit, mais tu ne vois pas tout ça. Qu'est-ce qu'on va devenir? Il était calme. Il était là avec lui, juste à côté. Il ne voyait rien, il ne sentait rien. Il dit, mais il regarde tout, mais il dit, il n'y a rien. Il dit, nous sommes que toi et moi. En plus, il dit, moi, c'est Trump ici, mais il n'y a que toi et moi. Et ils sont nombreux dehors. C'est pour ça, s'il vous plaît, frère de ça. Ne regardez pas la taille des églises. Il est l'homme de corps, oh, nous sommes 10 000, nous sommes 20 000, nous sommes 30 000. Ce n'est pas un problème. 30 000 de quoi? 30 000 de quoi? Et puis il dit, Seigneur mon Dieu, ouvre les yeux de mon serviteur. Il est là, mais il ne voit rien, mais ouvre les yeux de mon serviteur afin qu'il voie. Parce que je lui ai dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux que tu vois. Il n'a pas cru. C'est la difficulté, non? Il n'a pas cru. On lui a dit, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ah oui, mais oh, gloire à Dieu, ils sont nombreux. En fait, gloire à Dieu, ils sont nombreux, mais tu ne crois pas vraiment. Et il dit, mais ouvre les yeux pour qu'ils voient. Quand on a ouvert les yeux de Géasi, alors il a vu. Il a vu que là où Élisée s'était né, le ciel. Le ciel. Ah non, c'est merveilleux. L'armée de l'Éternel. Les chars, effectivement, étaient autour de cet homme. Et quand on le regardait, vous voyez, c'était un homme. Mais messieurs, un serviteur de Dieu. Dieu veille sur son homme. Vous les touchez aujourd'hui. Dieu va vous regarder comme ça. C'est comme si, bon, il ne va rien se passer. Mais des jours vont venir. Oh oui, messieurs, n'oubliez jamais ce que vous entendez. Vous manquez de respect aux serviteurs de Dieu, un homme loin de Dieu, que Dieu tient dans sa main. Demain, ça va, vous allez voir que la personne, oh, j'ai fait ça, tu continues à aller bien, sans problème. Dieu te regarde. Après demain, tout va bien. Un an, ça va. Deux ans, ça va. Monsieur, merci. C'est sûr et certain. Parce que vous touchez à cet instrument, vous touchez à Dieu. C'est pourquoi Dieu a placé quelque chose dans un véritable fils de Dieu, une fille de Dieu. Il ne pourra jamais toucher un roi. Jamais, même si ça montait, il ne pourra jamais toucher un roi de l'Éternel. Il y aura toujours, pourquoi? Parce que ça, c'est la grâce de Dieu. Il y a quelque chose, quand tu veux aller plus loin, tu sens qu'il y a un frein. Quand tu veux parler du mal, tu sens qu'il y a un frein. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais quand ta bouche s'élargit comme ça, blablabla, sache que la ruine est proche. Ah oui, c'est la Bible, frère. Et vous savez, David était aussi, on le poursuivait, on voulait tuer. Mais David me dit, le voici ton ennemi à toi, rejeté par Dieu, coupe la tête. Quand il a séduit simplement le pan de la robe pour couper, le cœur de l'homme a tremblé. C'était Dieu. Il s'est ressaisi, dit, oh non! Parce que si ça ne dépendait que de lui, David était un homme de sang. Il veut couper la tête. Oui, monsieur. Oui, madame. Il veut couper la tête. Mais Dieu a agi en disant, la lèvre dans son cœur dit, ne touche pas cet homme. Je l'ai rejeté, mais je l'avais quand même loin. Alors, David s'est dit, mais je ne toucherai pas à qui?
au roi de l'éternel. Il fait ce qu'il fait, moi je ne touche pas. Alléluia. C'est ça un fils de Dieu. C'est ça un enfant choisi de Dieu. C'est ça un élu de Dieu, monsieur. Il ne pourra jamais pécher volontairement. Non, monsieur. Ça ne peut pas même pas venir en son esprit. C'est vrai. Voyez-vous, comme les saintes écritures nous le montrent, les seigneurs me fait savoir, effectivement, ils l'ont amené donc chez les pharisiens, comme nous disions, vous allez voir vous-même, vous entendez effectivement ce qu'ils disent de leur bouche, effectivement, des hommes qui étaient versés dans les choses là, effectivement. Et voilà que le verset suivant, il dit, verset 14, « Or, c'était un jour de sabbat. » Maintenant, mon frère, il peut juste, c'était un jour de sabbat, pas plus loin que les autres, vers juste ce côté ici. Et c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Vous entendez? Verset 15. Oui, pas vers les sœurs, mais vers chez moi. Merci. C'est à cet endroit-là. Mon frère Christian, ça va? Parce que tu souffres beaucoup de ça. Hein? On va t'acheter un deuxième. Alors nous lisons verset 14. Il dit, or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. Verset 15. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, mais il a appliqué, vous entendez? Il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. J'aime Dieu. Hein? Frère, il faut que vous connaissiez Dieu. C'est bon, frère. Parce que le Seigneur veut nous montrer ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Parce que tous ceux qui se disent croyants ne sont pas des croyants. Non, monsieur. Non. Et l'homme a donc répété, il dit, mais oui, mais dit, mais regardez bien, il dit, mais il a appliqué de la boue sur mes yeux et je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, mais cet homme ne vient pas de Dieu. Pourquoi il ne vient pas de Dieu? Car il n'observe pas le sabbat. Alléluia! Parce qu'il a fait de la boue. Il savait pourquoi il faisait de la boue. Parce que d'après la loi, il dit, mais le sabbat, parce que les pharisiens, le sabbat, tu ne fais rien, tu ne touches rien, tu ne soumets même pas le feu, tu es assis. Parce que vous savez, ces gens-là qui étaient vraiment dans les pharisiens, c'était vraiment des gens qui, oh là là là, là frère et soeur, ils vous rendent esclaves, prisonniers, ce n'est pas possible. Même si Moïse n'avait pas dit ça, ils vont encore élargir. Moïse a dit donc dans l'élargissement, dans l'interprétation, dans la longueur, dans la largeur. Donc, il couvre tout avec l'interprétation. Je ne sais même pas bien voir ce que Moïse a dit. Tu le vois maintenant que ce qu'eux ont dit de Moïse. Donc, ce n'est pas ce que Moïse a dit. Ils ont fait dire moi, à Moïse ce qu'ils voulaient que Moïse dise de ce leur part. C'est ce qui s'est passé. Et le Seigneur a voulu nous montrer cela. Il dit, mais cet homme ici ne vient pas de Dieu. Vous avez tout cela. On les a amenés vers des gens qui, en principe, croient au miracle. Donc, effectivement, qui devaient appuyer en disant, oh, gloire à Dieu, Dieu nous a visités. C'est vrai, frère, Moïse est parti, mais Dieu n'est pas parti. Amen. C'est vrai quand même, parce que quand même, c'était la Bible. Et maintenant, il dit, mais cet homme ne vient pas de Dieu parce qu'il n'observe pas les sabbats. Nous continuerons à dire très bien. Alors, j'aime bien cela dit, quand nous sommes verset 16, d'autres dire, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Donc, on était divisé maintenant. Il y a un problème toujours chez les pharisiens. Ah non, Dieu est bon, hein? Il a simplement dit une parole. Alors maintenant, observez simplement. Vous savez, ce qui révèle la nature de quelqu'un, c'est simplement la parole de Dieu. Comment il réagit. Il peut dire, je suis votre frère, je crois comme vous, nous avons la même foi que vous. Donnez simplement la parole. Dites simplement ce que les saintes écritures disent. Avec l'esprit du Seigneur dans l'écriture, vous verrez le résultat. Un fils de Dieu, s'il était dans l'erreur, même tellement ballotté dans l'interprétation, quand il entend, Amen.
la parole de Dieu sous l'inspiration, avec la pensée de Dieu sur la parole, dit, la personne dit amen. Il ne va pas dire le prophète a dit, Moïse avait dit non, parce que c'est Dieu qui a parlé par Moïse. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Sûr et certain. Juste la parole de Dieu. J'aime le Seigneur. Il a fait en sorte que la chose soit ainsi. Et puis, là maintenant, le combat a commencé. Dites-nous maintenant. Parce que s'il n'observe pas le sabbat, c'est un pécheur. Il dit, mais alors comment est-ce qu'un pécheur, peut-il faire de telles choses, de tels miracles? Alors là, j'aime le Seigneur. Alors, il a fait la chose, il s'est tenu à l'écart. Vous voyez maintenant la réaction, comme vous connaissez, là, la femme surprise en flagrant délit d'adultère. Vous connaissez, non? Ah ben, il a amené, il dit, mais si quelqu'un parmi vous, ah j'aime ça. Aïe, 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 aïe. Si quelqu'un parmi vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier à jeter la pierre, et il s'est tenu à l'écart. Il a prononcé la parole. La parole doit agir, monsieur. La parole qui sort de sa bouche, frère, elle doit agir certainement. Et Dieu observe seulement sa parole. Oui, monsieur. Il s'est tenu à l'écart et il observait. Il n'a plus rien dit. Ah oui. Oh, j'aime Dieu. Ah oui, monsieur. C'est simplement la parole de Dieu qui travaille dans le cœur. Parce que quand elle sort de la bouche de Dieu, elle a la puissance. Elle a la vie en elle. Pour démontrer ce qu'il y a dans l'homme. Ouais. Et sa parole, que vous le vouliez ou pas, elle est toujours la vérité. Elle démontrera, elle montrera que tu es menteur. C'est sûr, Satan. Tu ne peux pas aller, quand tu vas contre la parole de Dieu, ta nature à toi, va se révéler. Tu peux être camouflé, ou tu faisais l'hypocrisie de je crois, mais tu combats. Quand la parole sort, montre qui tu es. Je suis réservant, frère. C'est toujours le problème, ce n'est pas l'extérieur ou l'apparence qu'on veut donner aux gens, mais c'est ton intérieur. L'intérieur. Les pharisiens soignaient beaucoup l'extérieur. Et gagner la confiance des gens, se référant toujours à Moïse, toujours. Et cela, il gardait aussi les gens dans la peur. Vous savez, si vous ne croyez pas ce que Moïse a dit, vous êtes donc perdus. Ils croyaient 100% Moïse, mais ils étaient tous perdus. Vous le croyez? C'est vrai. Mes frères, bien-aimés, frères et sœurs, vous me regardez, vous cusitez, oh frère, vous croyez, vous êtes des docteurs de vous-même. Mais la Bible ici n'a-t-elle pas dit que la loi est un pédagogue? Amen. Vous voulez que je vous lise Galates, pour que vous puissiez comprendre. Galates, je pense que c'est cela. Oui. Oui, si, je pense que c'est cela. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Ah. Nous reviendrons vite dans Jean et puis dans son édition. Ne vous inquiétez pas. Alors, voilà, il dit là. Galates chapitre 3, vous lirez les versets suivants chez vous, je vais lire le verset 17. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 400 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Vous suivez? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi était donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait donc réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient.
avant que la foi ne vienne, nous étions enfermés sous la garde de quoi? En vue de quoi? Qui devait être, verset 24, ainsi la loi a été comme un, pour faire quoi? Ou c'est pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par. Maintenant, verset 25, il dit quoi? La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ces. C'est sûr et certain. Sûr et certain. Oui, monsieur. Oui, madame. Alors, nous revenons dans Jean chapitre 9. Alors, nous voyons ici, il dit quoi? D'autres dire comment un homme pécheur peut-il, verset 16, peut-il faire de tels miracles? Verset 17, il y eut donc division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, parce que ça a travaillé, hein? Il met toi, que dis-tu de lui sur ce qui t'a ou sur celui, ce qui t'a ouvert les yeux? Parce que dis-nous, parce que là, nous sommes maintenant troublés. Tu étais aveugle, né de naissance, effectivement. Et c'est vrai, nous croyons que Moïse était un puissant prophète. On nous a amené les cas, on voit. Nous avons un problème. Il a fait de la boue. Or, Moïse avait dit, les jours de sabbat, on ne doit pas travailler. Comment ils mettent l'accent là? Il ne faut pas mettre l'accent. C'est comme ça qu'on emprisonne les gens jusqu'à aujourd'hui. On met l'accent là, il ne faut pas mettre l'accent. Parce que pourquoi? C'est en fonction de leur propre vision à eux qui transforment maintenant la parole de Moïse pour qu'elle soit donnée selon ce qu'ils pensent, mais sous la couverture de Moïse. Je suis certain. Voilà pourquoi Moïse a dit, parce qu'en fait, ce n'était pas ce que Moïse a dit, c'est ce qu'eux ils disent. Ils disent que Moïse a dit, parce qu'ils ont une pensée de Moïse. Qu'ils veulent, alors penser, ils veulent passer par la pensée de Moïse, effectivement. En voilà ce qu'il a. Alors maintenant, il dit, mais toi maintenant, nous avons un problème. Il est aveugle, parce que tu vois quand même, nous sommes nombreux. Parce que vous savez, ces gens de citations, ça s'est passé avec cette secte de pharisiens, comme s'est réclamé de Moïse, c'était la plus grande, vous voyez, des gens qui étaient impressionnants, donc des gens qui avaient de l'influence, effectivement. Parce que c'est dire que nous sommes des successeurs de Moïse, mais c'est dire que nous avons la puissance de Dieu avec nous. Mais les grands problèmes que je voudrais quand même que vous puissiez quand même bien voir, vous, hein, pour que nous comprenions, parce que Dieu nous aide que la grâce de l'évidence, que vous puissiez quand même voir, frère, bien-aimé. C'est pas possible quand même. Quand Moïse servait Dieu, loin par Dieu, on voyait que Moïse parlait, et que quand même Moïse parlait, mais Dieu confirmait par des signes, des prodiges et des miracles. Mais vous, c'est référent toujours à Moïse et de témoins, mais jamais Dieu ne confirme effectivement votre prédication. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes envoyés de Dieu, nous avons. Mais alors, vous êtes serviteurs de Dieu, Dieu n'a jamais confirmé votre pasteur, votre prédication. Vous prêchez, vous en avez, mais quand vous nous prêchez, mais c'est comme si le ciel va tomber, alors là. Alors, ben, oh, la parole de Dieu, la parole, Moïse a dit, la parole. Quelle est donc la parole que Dieu ne confirme jamais? Alors, une parole que Dieu ne confirme jamais, je n'en ai pas confiance. Mais c'est vrai, mon frère, même si vous me répétez que Moïse a dit, mais Dieu ne confirme pas, Dieu a confirmé Moïse. Mais vous, aujourd'hui, frère, montrez-moi où Dieu vous a confirmé. C'est pourquoi n'ayez pas peur des hommes, frères, qui se viennent, etc. Là, oh, tu ne veux pas. Non, je vais d'abord voir dans ton ministère à toi. Hein, où est la parole de Dieu? Ne venez pas, Moïse a dit non. Ça, c'est ce que Moïse a dit. Mais toi, maintenant, toi qui se tiens là, parce que si Dieu t'a envoyé, il ne t'a pas envoyé comme perroquet de Moïse. Dieu t'a envoyé comme serviteur de Dieu. Alléluia! Alors, montrez-moi maintenant. C'est sûr et certain, mon frère. C'est sûr et certain. Nous le voulons. Comme ça, nous aussi, à son dire, oh, c'est sûr et certain. Nous sommes sûrs et certains que cet homme-là, il est sur la voie. C'est certain. Est-ce que nous voulons savoir aussi? Est-ce qu'ils étaient là? Oh, Nous sommes. On vient vous apporter un cas. D'où, vous qui croyez Moïse, vous devez vous réjouir parce que Dieu montre ce que Moïse avait dit était vrai.
et vous devez vous réjouir. Mais là, ça devient une équation. Ce n'est pas possible, frère, c'est la vérité, ça devient une équation. Comment est-ce possible de venir? Nous avons essayé de trouver la solution, maintenant. Toi qui, on se tourne vers toi les problèmes, donne-nous la solution parce que tu es notre dossier aujourd'hui. Eh bien oui, l'homme était devenu un problème. Et maintenant, donne-nous la solution parce que ça ne va pas parmi nous aujourd'hui. Toi, que dis-tu de lui? Parce que bon, quand on lisait comme ça, on le regardait bien pour l'impressionner. Pour dire que bon, maintenant, tu dois te mettre de notre côté. Pour dire que si vous ne croyez pas que c'est un homme de Dieu, alors moi non plus. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. L'homme, il dit, vous voulez la réponse de mon côté? Vous voulez la lumière? Parce que le Seigneur l'observait. Alléluia. Quand Dieu a fait quelque chose en toi, mon frère et ma soeur, il n'y a aucun homme qui peut l'éteindre, monsieur. Parce que c'est une expérience que tu as eue avec Dieu. Aucun homme n'a pu de cette expérience, c'est Dieu lui-même. Alors Satan a raciné toi-même. Tu sais où tu te tiens. Oui, madame. Oui, monsieur. Il dit, non, effectivement, toi-même. Écoutez bien. Il dit, moi. Oh, 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 oh. Il répondit, il dit, mais, dis-nous, toi, que dis-tu de lui, ce qui t'a ouvert les yeux. Verset 17, t'a ouvert les yeux. Il répondit, oh là là là, pour moi, c'est un prophète. Amen. Oh, les Juifs, à ce moment-là, bouleversés. Parce que si, il dit un prophète, mais c'est comme Moïse. Parce que Moïse avait dit, le Seigneur, notre Dieu. Alléluia! Suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez. Alléluia! Le Seigneur observait. L'homme disait les paroles vraies pour voir la réaction. Mais puisque Moïse, vous croyez à Moïse, il a dit ça. Voici donc l'homme. Vous l'avez posé la question, non? Il vous a dit que c'était un prophète. Alors croyez. Tout d'un coup, changement. Changement. Changement de quoi? Regardez bien. Verset 18. Les Juifs ne crurent point que l'homme a été aveugle. Ils ont changé, frère. C'est grave, hein? Quand l'homme est vraiment incrédule, aveugle, et puis quand il a les démons de la religion, il est dangereux. Même si c'est votre frère, même si c'est votre soeur, c'est une personne dangereuse. Parce que tu lui montres la vérité, il cherche un moyen à changer la chose. Il dit, mais vous m'avez posé la question, mais comment t'as vu? Je vous ai répondu. Maintenant, vous dites, mais vous ne croyez pas. Et pourtant, ma mère croit quand même. Tout le monde, tous ceux qui m'ont emmené chez vous ici, ils m'ont vu quand même naître. Il fallait que j'étais avec, ils savaient. Et quand vous m'avez vu aussi, vous avez quand même vu, c'est quand même vrai. Mais maintenant, je vous ai dit que c'était un prophète. Quand vous avez entendu que c'était un prophète, il y a eu un changement. Vous voyez, mon frère. Vous voyez ma soeur. Elle est maintenant, ils disent, mais ils ne crurent pas qu'il était aveugle. Maintenant, écoutez bien la suite. Les Juifs ne crurent point qu'il était aveugle, qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Aïe, 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 aïe. Oh, aïe, 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 c'est quand même grave. Des gens qui se référaient en puissant prophète, auxquels, effectivement, les miracles, les choses surnaturelles s'est passées. On pouvait croire simplement ce que Dieu avait fait. Il faut maintenant qu'on aille appeler ses parents pour vérifier. Effectivement, pour voir si cet enfant, cet homme ici était né avec, ou parce qu'il était venu peut-être nous raconter des histoires. Il dit bien. Et les parents sont venus. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent. Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mon frère et ma soeur, le Seigneur s'était né loin et il observait. Donc, les parents sont venus. Ils vous ont confirmé que cet enfant, parce qu'il ne voulait pas, vous n'avez pas croire, il est vraiment né aveugle. Mais si vous avez entendu cela et que vous le voyez maintenant, quelqu'un qui voit, vous devez glorifier Dieu. Si réellement vous avez cru ce que Moïse avait, quelqu'un était dans cette vie, vous devez donc croire que oui, en tout cas, Dieu nous a visités. C'est sûr. Ah ben oui, c'est sûr. C'est ça, mon frère et ma soeur, le danger de la religion.
l'esprit religieux qui saisit beaucoup de gens. Je vais continuer ici. Mais vous vous souvenez dans les Saintes Écritures, dans le livre, nous avons lu avec vous dans Thessaloniciens, n'est-ce pas? Regardez une chose. Merci mon précieux frère. Regardez une chose. La Bible dit que votre foi, je ne sais pas si vous avez prêté attention quand nous avons lu l'Écriture, je reviens vite dans Jean tout de suite. Et d'abord, nous avons lu 1 Thessaloniciens rapidement. Je ne sais pas que je ne reste plus loin. 1 Thessaloniciens, oui, chapitre 1. Et voilà. Verset 8, il dit, non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. Il s'agit bien de la foi en Dieu. Et il est bien dit qu'effectivement que votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. La question qu'on peut se poser, c'est de pouvoir savoir, aujourd'hui, votre foi est en quoi? Aujourd'hui, votre foi est en quoi? La question que je peux poser encore un peu plus largement, quel est vraiment votre absolu aujourd'hui? Qu'est-ce qui apparaît sous vos yeux comme étant votre absolu? En quoi est vraiment basée votre foi en réalité? Parce que, frères et sœurs, dans le livre de Timothée, nous revenons vite dans Jean, je vais le lire, je lis là, puis nous retournons vite dans Timothée, dans Jean, pardon. Dans le livre de Timothée, 1 Timothée au chapitre 1, pardon, 4, pardon, chapitre 4, 1 Timothée chapitre 4, il nous dit une chose, il dit, mais l'Esprit, vous y êtes? L'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, c'est-à-dire que dans le temps où nous sommes, vous le croyez? Ce sont les derniers jours. Dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi. Pourquoi? Pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alors, s'il y a des doctrines, il doit y avoir des prédicateurs. Votre attention, s'il vous plaît. Parce que vous, frères, souvent pas en paix, parce que vous écoutez là-bas, vous écoutez à gauche, à droite. Il faut que vous ayez la paix en vous. S'il y a des doctrines des démons, il faut qu'il y ait des prédicateurs qui enseignent ces doctrines. Oui, monsieur, oui, madame. S'il vous plaît. Parce que la Bible dit bien, c'est dans ce temps-ci, quelques-uns abandonneront la foi. Pour s'attacher à des doctrines, effectivement. Ah oui. Parce que, regardez très bien, parce que vous pouvez me regarder, mais regardez très bien, il dit quoi? Écoutez bien, pour voir des nuits, s'attacher effectivement à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons par l'hypocrisie des faux. Ah, parce qu'il faut qu'il y ait quand même des gens qui prêchent. Des gens qui prêchent. Alors, nous retournons vite dans Jean chapitre 10, chapitre 9, et puis nous recourons aussi rapidement. Je vais vous laisser à l'esprit d'abord. Jean chapitre 9. Regardez bien. Verset 18, il dit, oh, le juif ne cure point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Et il les interrogeait en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qui lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Alors, interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Mais nous l'avons déjà interrogé.
Nous voyons qu'il est quelqu'un qui ne fait pas faire bouger. Hein. C'est pourquoi on vous a fait venir pour que vous le fassiez bouger. Alléluia. Vous serez un problème dans votre famille, mesdames et messieurs, à cause de la foi que vous avez dans le Seigneur. Même, laissez dire, même vos frères à vous, vos frères, vous dites, des frères en Christ, des frères-ci, ils vous trahiront. Ils vous haïront. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Il a dit, hein, ça doit s'accomplir. C'est pourquoi tous ne sont pas des frères. Tous ne sont pas des sœurs. Il y a des sœurs. Il y a des frères. Oh oui, monsieur. Oui, madame. C'est à cela que nous cherchons. Ces frères-là. Ces sœurs-là. Oh, que Dieu nous aide. Avec lesquels, quand vous vous approchez, vous sentez que les courants passent. Ah oui, vous vous réjouissez d'avance parce que vous savez qu'il est votre frère. Elle est votre soeur. Vous vous sentez tellement si bien. Et bien, mettons-nous à genoux. Quand nous prions, du haut de ceux, il entend. Alléluia. Alléluia. Ils allèrent vers le leur. Amen. Pas vers les autres. Vers le leur. C'est ce dont nous avons besoin. Que le dit, rassemble-moi mes fidèles. Mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront. Yeah. C'est ce que l'évangile est en train de faire. Cherchez encore mon frère. Cherchez encore ma soeur qui traîne quelque part là. Parce que c'est les derniers là qu'on cherche aussi. Avant que les derniers n'entrent, il y a encore d'autres de nos frères. De nos vrais frères. De nos vraies soeurs. C'est pourquoi nous rendons témoignage. C'est pourquoi nous parcourons le monde. Parce que nous voulons la voir. Ma vraie soeur. Mon vrai frère. Avec qui, quand je m'assieds comme ça, je peux dormir tranquille. Vous savez, j'ai été touché parce que, pardonnez-moi, mais bon, j'avais reçu mon oncle à la maison, petit Solomon, avec ma tante, nous parlions, et puis, il me dit, ah, quand même, j'ai quelque chose à pointer. Je dis, oui. Il dit, mais quand même, c'est quand même pas possible. Il dit, mais il n'est pas croyant, il ne vient jamais chez nous. Mais il dit, mais il y avait un frère qui était chez vous, là, que nous connaissons. Il était en fait venu, il était allé chez une des personnes que nous connaissons. Il ne savait pas que cette personne-là nous connaissait. Mais c'était un de vos frères. Il est parti là-bas. Oh, je ne suis pas. Il fait ça, là, Léonard. Il a commencé à pouvoir te critiquer. Et d'ailleurs, même, je reçus même un autre appel téléphonique qui me dit, oh, fais attention parce qu'on cherche à pouvoir t'empoisonner. J'ai dit, Seigneur. Oui. J'ai dit, alors, le frère en question, il parlait de moi, du mal de moi, à cette personne-là. Ça se voit, parce que ça ne savait pas que la personne en question parlait connaissait en fait l'oncle. Et il a parlé, c'était le frère, c'est ça, que Dieu soit alléluia, amen. Alors, vous savez, ils sont allés. Oh, d'ailleurs, lui, et l'argent, de la, parce que l'oncle me regardait, il dit, mais l'argent, d'ailleurs, il a même dit, oui, d'ailleurs, il a acheté une maison, l'argent, c'est l'argent de l'Assemblée, l'Assemblée, il donne l'argent, et il j'écoutais, je parlais, et puis j'ai dit, mais, donc, oui, et puis j'ai dit, ah, donc, c'est ça aussi qu'il a eu à pouvoir te dire. Ah oui, j'ai dit, bon, je vais te poser la question. Tu lui as posé la question, on va savoir s'il a déjà vu, effectivement, que dans la caisse de l'Assemblée, moi ici, je veux prélever des dîmes et des offrandes par mois, parce qu'il y a des pasteurs. Donc chaque mois, ils ont un salaire. 2000 euros. Mais moi, vous savez que depuis que je suis ici avec vous, je n'ai jamais prélevé les salaires. Notre trésorier là, pose la question, s'il vire de l'argent sur mon compte. Il est là, parce que quand même, mon frère, il peut vous le dire. J'ai dit, mais je n'ai jamais demandé un salaire à l'Assemblée. Et je ne touche pas des salaires à l'Assemblée qu'on me vire à la fin du mois. La plupart de tous les pasteurs le font. Ah ben ils le font, c'est un droit, c'est normal. On ne peut pas dire que c'est mauvais. Ils doivent le faire. Ils le font, et tous le font. Mais moi, je ne suis pas conduit à le faire. J'ai dit, mais ma maison, quand même, j'ai travaillé aussi. Hein. J'ai dit, j'ai quand même travaillé. Donc j'ai quand même eu de l'argent quand même. J'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le détail, effectivement. Mais quand même, Dieu ne m'a pas quand même laissé comme ça. Hein. Donc,
J'ai dit, les gens me détestent parce qu'ils ne me connaissent pas. Ils pensent que je suis assis là-bas, j'avale l'argent de la effectivement. J'ai dit, c'est pour ça dire, je vais faire mon église. J'ai dit, si vous saviez. Si vous saviez. Alors j'ai dit, mais pourquoi ce qui m'a fait mal, j'ai dit, bon, m'insulter ou bien me critiquer ou chercher à me tuer, ce n'est pas un problème. Mais allez dire ça aux païens. Ce qui m'a fait mal, c'est parce qu'ils ont été dire ça aux païens. Des gens auprès de qui on peut les rendre témoignage de Dieu pour qu'ils le croient. Détestez-moi, il n'y a pas de problème. Mais pas détruire quand même la confiance de Dieu dans les gens des païens quand même. Ils vont dire quoi? Ce sont ses frères. Bon, insultez-moi ici, ce n'est pas moi dans les quartiers, dans la zone de l'Assemblée, il n'y a pas de problème. Mais quand même dehors, qu'est-ce que les gens vont dire de Dieu? Moi, je ne suis rien, mais c'est de Dieu qu'il s'agit. On a dit, mais il y a des frères qui ne sont pas des frères. Ils sont bien assis là, en train de pouvoir vous regarder, mais quand ils rentrent à la maison, ils se mettent à genoux pour que tu aies un accident. Mais vous ne savez pas. Mais il y en a de ceux qui prient pour que les avions que je prenne tombent. Ça, je vous l'ai déjà dit, c'est pas une histoire. Hein. Ils prient vraiment pour que je puisse, d'autres prient pour que je puisse tomber malade, que je puisse plus me relever. Et ça, je crois que je vous l'ai dit, ma tante était là, mais la maman d'Elisabeth était assis là dans un deuil. On commençait à dire, un deuil, s'il vous plaît, des frères en Christ. Oh, ce pasteur-là, hein, vraiment que la maladie le frappe, qu'il ne bouge plus, et nous voulons vraiment qu'il soit détruit de la terre. Oh, j'ai dit, vous, qui dit. Alors, il s'approche, il dit, hé, hey, c'est pardon, mais j'ai entendu vous parler d'un pasteur-là, et lui qui servait Dieu. Il dit, mais c'est qui ce pasteur? Et tu ne le connais pas? J'ai dit, non. Mais c'est difficile, nous, les Belgiques. Ma tante a failli tomber par terre. Elle s'est simplement éclipsée, elle est allée s'asseoir pour se vanter, pour qu'on ne voit pas qu'elle est de la famille. Comme ça, qu'elle téléphone, ils avaient dit à ton frère qu'il ne boive pas, qu'il ne mange pas, qu'il ne fasse rien, parce qu'ici, de mes oreilles. J'ai dit, mais vous avez tué quelqu'un. C'est vrai. Il y en a de ceux qui ne sont pas vraiment des frères, qui ne sont pas vraiment des sœurs, ils sont là. Mais en fait, ceux qui ne savent pas ce que Dieu le voit. Amen. Revenons. Alors, regardez bien. Alors, il dit. Arrivé. Verset suivant, verset 22, il dit, ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Vous suivez? Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez pourquoi ils ont pressionné les jeunes hommes? Mais il n'a pas bougé. Amen. Ils ont appelé les parents maintenant pour le faire bouger. Alors maintenant, c'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge. Interrogez-les lui-même. Les pharisiens maintenant appelèrent une seconde fois, aïe, 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 l'homme qui avait été aveugle, pour que, parce que les parents sont là. On a impressionné les parents maintenant, ils vont maintenant te dire aussi, mes fiston, accepte, dis que cet homme-là, ah oui, lui, il était déterminé. Alléluia. Que Dieu fasse de vous ainsi. Alléluia. Que vous ne soyez jamais secoués par un frère, une soeur, même pas par votre papa ou maman, mais votre foi ancrée dans le Seigneur. Alléluia! Ne croyant que ce que le Seigneur a dit. Parce que vous devenez un témoignage, frères et sœurs, pour beaucoup de gens de par le monde. Par la foi que vous avez, frère. Mais à cause de cette foi, vous serez aussi haïs par les hommes. Même par vos proches à vous. Sûr et certain, rejeté par beaucoup aussi. Nous continuons. Alors il dit, et voilà, les pharisiens l'appelèrent une seconde fois, l'homme qui avait été avec, ils lui dirent, mais donne gloire à Dieu, hein? Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Donc on l'influence maintenant pour lui dire que voilà, hein, on a appelé tes parents, hein? Ils nous ont dit, effectivement, ma fille, nous n'avons pas même pris considération, mais nous savons, mais les parents ont dit qu'il était né avec, ils n'ont pas même pas fait à dire, ah, c'est vrai, il est avec nous. Ils ont sauté seulement dessus. Ils donnent gloire à Dieu. Ils donnent gloire à Dieu à quoi? Dieu m'a guéri. Non! Cet homme est un pécheur. Ah! Alors là, c'est comme ça qu'on va vous mettre devant des situations avec, on appellera des frères des autres assemblées. C'est effectivement pour toi une sœur. Oui, mais parce qu'il ne veut pas, il ne veut pas marcher comme papa. Non, non, non. Parce que pourquoi? Parce que ta foi à toi par rapport à la foi de papa, maman, cousin, sœur, n'est pas pareille.
Papa veut aller au catholicisme, moi j'ai dit non, j'ai mangé l'hostie, ça ne m'a jamais changé. Mais quand j'ai écouté la parole de Dieu, ça m'a changé, ma vie a été transformée. Laissez-moi aller écouter Dieu. Oui, monsieur. Oui, madame. Sûr et certain. Alors là, il dit, mais alors, donne gloire à Dieu. Hein, cet homme, nous savons, cet homme est un pécheur. Il répondit, oh yeah, s'il est un pécheur, et moi, je ne sais pas. Mais j'essaie une chose. J'aime Dieu, frère. J'essaie une chose. C'est que j'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand Dieu a fait quelque chose en toi, même pas la famille ne peut pas te faire bouger. Même si toute la famille vient t'abandonner, il dit on va te rejeter. Tu ne bougeras jamais. Alléluia! Le Seigneur était là. Il observait. Cet homme-là, mon frère, c'était peut-être toi, mon frère. Peut-être toi, ma soeur. Pour rendre témoignage de ce Jésus dans ta maison, dans ta famille, auprès de tes parents, à l'école, quelque part, effectivement. Toi, parce qu'il t'observe. Ce qu'il a fait pour toi, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas me nier devant les hommes? Devant la pression, effectivement, du monde. Tu vas nier ce que tu es devenu. Hier, yeah, oh, mais tu sais, oh, tu as des belles jambes quand tu le montres là où tout le monde tremble. Et tu casses les jambes en dessous de ta jupe, la longue. Là, tu ne trouves pas, tu vois, quand tu les mets un peu dehors, là, tu sais, quand tu marches, hein, ça fait autre chose. Hein. Elle soulève encore un peu. Et puis, tu vas dans la toilette de l'école, tu dis, oh. Hé, sœur. La mauvaise semence commence à entrer. Tu commences à aller. Oh, certainement, elles sont belles. Dieu te l'a donné, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas dit l'exposer comme à tous les chiens qui passent. Alors quand toi, tu entends cela, dis, mais elles sont belles, mais oui, elles sont belles là où elles sont. Alléluia. Hier, je m'exposais comme une chienne. Parce que j'avais l'esprit de chienne en moi. Mais quand le Seigneur est venu, on ne m'a pas obligé, mais il m'a délivré. Quand il m'a délivré, alors je suis rentré dans ma belle jupe. D'ailleurs, quand je suis là-dedans, quand je marche, effectivement, tous ceux qui me voient, ils se délogent. Ils disent, celle-là. On voit que même sa démarche, c'est comme une fille de Dieu. Même dans la jupe, la démarche, elle est jolie. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que la jupe enveloppe bien les choses et les mains sont bien. Mais tu n'as pas besoin de soulever. Parce que quand tu soulèves, même je... Enfin, pardonnez-moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que, vous savez, ils sont dehors. Quand c'est soulevé jusque-là, maintenant, asseyez-vous dans un fauteuil qui fait comme ça. On commence à prendre la jambe dessus. Quand on monte dessus, tout l'en dessous sort, et puis on prend là-bas. Puis on va maintenant, on cherche des coussins dans la maison. On empile les coussins tout autour de soi. Mais tu veux rallonger la jupe avec les coussins? C'est ça le problème. Donc depuis la maison, rallonge-la. Pour quand tu t'assieds à l'aise. C'est sûr et certain, frère. Ça, c'est le monde qui fait pression sur toi. Ta foi à toi est en qui? Où est basée ta propre foi? Sur les hommes, parce que si sur les hommes, ça va faillir. Amen. Si c'est pour faire plaisir aux gens, parce que chaque fois qu'ils disent, tu balances comme ça, tu vas aussi comme cela. Oh, tel a dit, l'autre a dit, alors il y a un problème. Amen. Tu dois savoir en qui est-ce que toi tu es. Parce que l'apôtre Paul dit, mais moi ici, Paul, je sais en qui j'écris. Amen, amen, amen. Et qu'il a le pouvoir de garder mon dépôt. Amen. Je sais, peu importe ce que les gens, d'ailleurs, amen. Ceux qui étaient hier, mes amis, parce que amen. Nous étions dans le même trajet, pharisiens ensemble, ils m'aimaient beaucoup. Mais les jours où moi j'ai été libéré, amen. Ils sont devenus mes ennemis à moi. Amen. Ce que souvent les hommes ne supportent pas, c'est ce qu'on puisse les détester.
par ceux qui disent aussi, mais nous sommes aussi croyants comme toi. Nous étions avec toi, comment ça se fait que toi... Alors à ce moment-là, cette pression, alors l'homme devient un pied là, un pied ici. Et mais bon, il faut être tout avec tout. Mais finalement, tout avec tout, finalement, tu vas finir où? Non? Il faut qu'on fasse la part des choses. Soit c'est Dieu, soit le monde. Mais pas Dieu ici, le monde là, ce n'est pas un équilibre. Ça, c'est un déséquilibre. Il faut que je puisse savoir ce que je dois faire et ce que Dieu attend de moi. Alors, on lui pose la question. Il dit, voilà, eh bien, ton père, tes parents sont ici et toi, tu dois donner gloire à Dieu. Il faut que tu dises que cet homme est un pécheur. C'est triste, frère, de pouvoir constater qu'il y en a de ceux qui, après avoir rendu un témoignage en disant que Dieu a fait, Dieu a eu à pouvoir me montrer, quelques temps après, l'obstacle se dresse effectivement, on souffle un tout petit peu comme ça, on vacille de l'autre côté, on renie même ce qu'on a eu comme témoignage. Alors je pose la question, on va savoir, c'est quoi que vous avez eu? L'homme dit, s'il est un pécheur, puisque vous cherchez à pouvoir le dire, parce que moi j'étais avec, s'il est un pécheur, je le sais. Mais moi je sais une chose. Moi ici, je sais une chose. C'est que moi ici, j'étais aveugle. Même si mes parents régnaient. Même si mes parents régnaient à cause de vous, j'en perds. Mais moi-même ici, j'étais aveugle. Mais maintenant, nous allons le lire avec vous, hein, rapidement. Il dit, votre que tout. C'est 25 libés. S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Et il lui dit, mais qu'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Voyez la question qu'on pose effectivement. Il faut que tu nous dises, il ne faut pas rappeler, il faut que tu comprennes. C'est-à-dire qu'on veut l'influencer. La pression lui vient. Il dit, mais qu'a-t-il fait? Écoutez la réponse de cet homme, il a répondu, en fait, il était ferme. Convaincu, c'est ce que Dieu attend de toi. Amen. Vous savez, les mauvaises compagnies corrompent toujours le bon mœurs. Quand vous fréquentez quelqu'un de mauvais qui a la langue facile pour insulter tout ça, vous allez aussi attraper son esprit. Parce que les gens qui sont possédés, effectivement, les diables leur donnent encore davantage. Ils se sentent comme ils sont forts dans leur langue, effectivement. Et toi, si tu restes dans le domaine chanel, effectivement, en tant que chanel, parce que tu vois, quand Dieu a fait quelque chose au-dedans de toi, tu es comme un enfant. Amen. Donc, quand tu vois quelqu'un comme ça, alors, la facilité que, en fait, ces choses aussi, de la nature peut aussi avoir une influence sur toi. Mais quand toi, tu réalises qui tu es. Amen. Quand tu réalises qui tu es, une personne qui t'insulte, d'abord, elle n'a pas la personnalité. Comment toi, un être humain, même dans le bon sens, qui se respecte, tu puisses insulter ta soeur, lui dire que, et regarde là comment elle est, ceci et cela, donc de ta bouche à toi. Et puis, bon, si tu étais de l'extérieur, les extérieurs, c'est pour l'extérieur. Mais que tu viennes encore dans l'église où cette soeur prie. Tu t'assieds là, tu l'as insulté, tu l'as dénigré auprès des gens. Et puis tu t'assieds là aussi pour Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Et tu danses bien, Dieu va faire encore. Tu viens d'insulter ta soeur. Tu viens de mépriser ta soeur. Alors je me pose la question de pouvoir savoir si ce ne serait pas la folie que tu as. Parce qu'il faut être fou pour ne pas réaliser que ce que j'ai fait est mal. Parce qu'un homme quand même, si nous disons que bon, un homme qui a de l'âge comme vous, enfin, je dis non. Pardonnez-moi. Un homme qui a de l'âge, effectivement, qui peut quand même s'asseoir lui-même, ouvrir sa bouche, insulter sa sœur, de la même bouche encore, dire, Dieu va faire encore, gloire à Dieu, je peux dire. Donc tu bénis Dieu de la même bouche, vraiment. La même bouche, effectivement, elle insulte sa sœur. Quelque part, il faut quand même un peu réfléchir, quand même, s'il vous plaît. Maintenant, tournons la page.
Si maintenant, toi, tu es la personne que tu as insulté aujourd'hui, non? Et que maintenant, Innocent et Menace t'insulte toi aussi, comment tu vas sentir? Tu n'aimerais pas qu'on t'insulte? Parce que c'est dénigrant pour toi. Alors maintenant, change de caractère. Amen. Fais les choses de la bonne manière. Non, moi, je veux qu'ils se respectent. Si je me respecte, les autres me respecteront. Donc, la première des choses, respecte-toi. Si tu te respectes, les autres te respecteront. Amen. Si je me respecte, je ne peux pas parler du mal de quelqu'un. Amen. Je ne peux pas insulter quelqu'un. Donc je dois savoir me tenir. Alors il continue de dire, oui, il dit, voilà. Il a répondu, je vous l'ai déjà dit, verset 27. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Et maintenant, écoutez bien, j'aime bien cet homme. Et puis il dit, mais voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il dit, mais parce que vous insistez toujours, qu'est-ce qu'a-t-il fait? Comment il a fait? Je vous l'ai déjà dit. Maintenant, vous voulez quoi? Être là, avoir l'assurance, effectivement. Et vous voulez devenir, dites-moi, vous voulez devenir ses disciples? Alors là, il a touché un point qu'il ne fallait pas toucher. Non, ça c'est dangereux, non. Pas toucher là. Écoutez bien ce qu'il a répondu. Oh! Il injuriait des chrétiens, en fait des croyants, hein, des véritables croyants dans la loi. Oh, la loi t'interdit d'injurier quand même. En plus, j'avais des prédicateurs, en fait, des conducteurs qui étaient des gens infirmes. Ils ont commencé à injurier un petit bonhomme. À cause de quoi? De sa fermeté, monsieur. Mais oui, il était tellement si ferme. Il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur regardait, hein. Il observait le bonhomme là, défendait, dit, mais non, mais vous voulez dire, il commence à injurier les bonhommes. Écoutez comment il a injurié. Mais c'est vrai, c'est écrit, non? Il injuriait, la Bible a dit, hein, et dire, mais c'est toi qui es son disciple. Non, nous sommes disciples de Moïse. Vous l'avez entendu? Pharisien. Écoutez maintenant. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Voyez la place où ils ont placé Moïse, effectivement. Eux qui étaient des disciples, Moïse, effectivement, qui s'accrochaient à Moïse, ils devaient savoir que vous ne pouvez pas injurier quand même quelqu'un. Mais là, ils l'ont injurié. Directement, la fermeté et la foi dans la parole de Dieu de cet homme ici a fait que la réaction a eu lieu. Parce qu'ils ne se sont jamais trouvés devant quelqu'un qui était aussi ferme et qui défendait qui? Mais c'est Jésus-là. Parce que leur haine, c'était Jésus. C'est le problème. C'était Jésus. Alors il dit, mais nous n'avons jamais été dit, nous sommes disciples de Moïse et nous savons que Dieu a parlé à Moïse, cet homme. Et puis cet homme leur répondit, c'est 30. Il est vraiment étonnant. Il ne s'est pas laissé influencer, hein. Il est resté ferme. Frère, ma soeur, c'est ce que Dieu attend de toi. Même quand tu es à la maison, les problèmes avec les enfants qui ne sont pas bien avec toi, tu commences à dire, ah, je ne sais plus très bien comment faire. Non! Redresse-toi. Amen. Il dit, Seigneur, tu as fait de moi papa, tu as fait de moi maman. Donc l'enfant fait ce que papa dit. Amen. Alléluia. Amen. Ici, c'est le territoire où je suis. Amen. Frère, oh, aujourd'hui, on ne sait plus tenir. Non, eux ne savent pas tenir leurs enfants. Nous, oui. Amen. Oh, papa, si tu dis, moi, je quitte, je dis, tu peux quitter. Amen. Maman, ça ne va pas, je ne peux pas dire, tu peux partir. Oui, monsieur, parce que c'est comme si, oh, je veux perdre, tu vas perdre qui? Déjà, s'ils ne te respectent pas. Ah ben, c'est sûr, oui, monsieur. L'enfant, la Bible dit qu'effectivement, honore ton père et ta mère. Amen. Et tes jours se prolongeront sur la terre. Ce que les enfants ne savent pas. Quand vous manquez de respect à votre papa, vous manquez à votre maman, vos jours à vous se raccourcissent. Oui, monsieur, Dieu ne peut pas prolonger vos jours. C'est pas moi, c'est la loi de l'Éternel. Oh, qu'est-ce que j'ai à voir? Mépriser son père, mépriser sa mère. Vous courez un danger. Et vous pensez que dans la société, vous allez réussir. Vous ne réussirez jamais. Parce que vous n'avez pas la bénédiction de Dieu. Vous pouvez commencer un travail, c'est bien, et après, tout. Dieu veille sur sa parole. Amen. Maintenant, si les parents sont des parents méchants,
qui sont contre votre foi et qui ne veulent pas de vous à cause de la foi, alors vous n'avez pas de problème. Quand vous aimez Dieu et qu'il ne vous aime pas, vous continuez votre chemin. À ce moment-là, quand vos parents, vos mamans vous rejettent à cause de la foi, Dieu est votre Père. Amen. Il vous recueille. Alléluia. Il vous donnera aussi des familles. Amen. Oh, oui, monsieur, Amen. Qui prendront soin de vous. Amen. Oui, madame. 100% vrai, c'est la Bible. C'est 100% vrai, c'est la Bible. Parce qu'à cause de la parole de Dieu, quand tu es rejeté, Dieu prend soin. Donc, pour la parole, on ne fait pas de compromis. On sait où on se tient. Ne tremble plus devant. Ah, ici, j'ai fait ça, mon fils va s'en aller. J'ai fait ça, ma fille va s'en aller. Je vais perdre ceci. Laissez-les partir. Quelqu'un qui n'aime pas mon Dieu à moi. Jésus a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Alors tu es dans ma maison, nous servons l'Éternel. C'est sûr et certain. Si ça ne te convient plus, je ne te chasse pas. Tu cherches le chemin. Comme Abraham, il a regardé. Josué, avec l'autre avec ses serviteurs, il dit, je ne te chasse pas. Si tu choisis à droite, moi j'irai à gauche. Si tu choisis à gauche, moi j'irai à droite. Fais ton choix. Si tu veux la paix, moi je veux aussi la paix. Fais ton choix. Ma famille, tu fais ton choix. Oui, c'est vrai. C'est important, je sais que je l'ai déjà dit ici. Hein. Mon propre fils à moi, il avait, je crois, 8 ans, 6 ans, je ne sais pas. Quelque chose comme ça, peut-être sur 8 ans, à Drogenbos. Il était encore tout petit, je crois que je ne me souviens plus. Je me souviens bien, il devait avoir cet âge-là, cet âge-là. J'étais parti en voyage missionnaire, je suis revenu. Je crois que ça l'a marqué toute sa vie. Hein. Je suis revenu, et à un moment, on m'a dit, comment ça va, Léo? Ça ne va pas bien, parce que Jacob n'a pas voulu aller à l'église le mardi. Et nous étions partis, mais lui, il a voulu rester ici à la maison. J'étais debout. Hein. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, oh, mais il n'a pas voulu aller à l'église. À ce moment-là, sa grand-mère était vivante. Il habitait plus bas. Et je me suis tenu debout. J'ai dit, je l'ai appelé. J'ai dit, Jacob, viens. Il dit, ça va bien? Oui, j'ai dit, mais j'étais là, et ça, c'était la porte. Il dit, tiens-toi là. Il dit, ta maman m'a dit que tu n'avais pas voulu aller à l'église mardi pour aller prier avec les autres. Oui. Okay. J'ai dit, tu vois la maison où je suis? Ici où cette maison-là, ici. C'est ce Dieu-là qui me l'a donné. Le pain que toi tu manges ici, c'est ce Dieu-là qui me l'a donné. Et toi-même ici, c'est ce Dieu-là qui m'a donné. Donc, les lits où tu dors, c'est ce Dieu-là qui m'a donné. Les fauteuils où tu t'assieds, c'est Dieu-là qui m'a donné. Tout ce que tu es, c'est ce Dieu-là qui m'a donné. Maintenant, tu dois faire un choix. Si tu veux rester dans cette maison, tu es censé pouvoir aimer mon Dieu. Le suivre, marcher avec lui et faire ce que mon Dieu te demande de faire. Parce que moi, j'aime mon Dieu. Et ceux qui sont sous mon toit aussi sont censés aimer mon Dieu. Je n'oblige pas, je t'explique. Maintenant, deuxième chose. Ce que je vous dis, elle est là. Deuxième chose. Donc, maintenant, je suis devant la porte avec toi. Cette porte, elle est ouverte. Ta grand-mère, elle habite plus bas là-bas. Tu connais. Si ce que j'ai dit ne te plaît pas, la porte est ouverte, tu peux aller à la police à côté. Dit, mon papa ne veut pas de moi, je quitte chez mon père parce que je ne veux pas. Et puis je vais aller chez ma grand-mère. Tu peux aller là-bas. Moi, comme tu me vois ici, tu vois la police, tu vois ta grand-mère, je ne te suivrai jamais. C'est une décision à prendre. Maintenant, personne ne t'oblige. Soit tu restes ou soit tu t'en vas. J'étais devant la porte. Et j'étais sérieux. Et c'était sérieux. Je ne jouais pas, c'était sérieux. Il dit, tu sors, tu t'en vas ici, je ne te suivrai jamais. La porte ouverte. Il est resté à la maison. Je dis donc, tu as choisi de suivre mon Dieu.
que si tu as choisi, alors on est amis. Maintenant, on peut aller de l'avant. Plus jamais que quand je pars, j'entends qu'il n'a pas voulu aller à l'église. Quand je reviens à la maison, les choses... Et depuis lors, les choses avaient changé à la maison. Je ne vous raconte pas des histoires que moi-même, je n'ai pas vécues. Ce que je sais, remettez-moi. Ce que j'ai dit, ce que je les ai déjà mis aussi en pratique. Chacun de nous doit être aussi conscient de ce qu'il est, de ce en qui il a cru. Il faut être sûr et certain de ce Dieu en qui tu as cru. Cet homme, Dieu nous montre effectivement aussi oh combien il était convaincu, malgré ce qui était comme combat autour de cela, la religion, les églises, effectivement, et ceci et cela, effectivement. Lui, il savait, effectivement, ce qui s'était passé avec lui. Nous terminons, regardez bien. Il dit, cet homme, verset 30, cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, n'est-ce pas? Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Et puis il dit, j'aime cela, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Parce que vous m'avez dit, donne gloire à Dieu, dis que cet homme est un pécheur. Et puis maintenant, c'est les bonhommes qu'on a injuriés là, non? Qui commencent à dire à des grands prédicateurs d'autres, ils disent, mais vous quand même, vous et moi, nous savons. Ça, tout le monde a dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Il dit ceci, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, n'est-ce pas? Il exauce. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, écoutez bien, ils n'ont pas arrêté de l'insulter. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Et ils les chassèrent. Des croyants qui ont cru à Moïse. Des véritables croyants avec Moïse a dit non. Ils l'ont chassé. Jésus a pris ce qu'il avait chassé et l'ayant rencontré, lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il n'était pas loin. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, et c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur, et il l'adora. Quand vous prenez position pour la parole de Dieu, l'auteur de la parole est là. Amen. N'oubliez jamais cela, mon frère. Il observe comment, même quand vous êtes dans la famille, au travail, différents endroits, vous savez, je vais terminer. Vous savez, nous avons une réception au travail, effectivement, cette réception, comme c'est quand même un jour, effectivement, je ne sais pas comment, un jour spécial, effectivement, on va avoir un petit dîner, et puis un petit verre. Un petit verre de champagne. Alors vous avez, vous soufflez dans prouf, de prouf. On vous jette, comment on appelle sur la tête là de confetti ici, c'est confetti. Confetti. Je ne sais pas comment on l'écrit, mais enfin, confetti, bon, on vous jette des confettis. Toi aussi là, elle fait. La sœur aussi, avec prouf, prouf. On trouve les frères et la sœur avec prouf, confetti sur la tête. Pas de problème, je vais là. Et maintenant, on va faire passer maintenant la dernière quoi? L'équipe de bulles. Pas l'équipe de bulles, mais les vraies bulles là, qui montent là, là. On voit les yeux des frères, ils tournent à gauche, ils tournent à droite. Pour voir si autour de lui, il n'y a pas Christian, il n'y a pas Jonas, il veut faire une livraison ou régler le chauffage. Parce qu'on ne sait jamais, parce que frère Jonas est chauffagiste, non? On regarde effectivement parmi les blousons bleus, il n'y a pas un qui passe là que mon frère. Non, il n'est pas là, du coup. Vous n'avez pas besoin de ça. Personne ne vous interdit, tout vous est permis. On doit savoir ce qui est juste. Ce qui est bon et juste à pouvoir faire. Parce que tu dois savoir qui tu es. Et en qui tu as cru. Et ce que c'est Dieu est pour toi. Et comme nous l'avons dit, quel est votre absolu? Où se trouve ton absolu? Lève-nous, nous allons prier.
Notre Père céleste, c'est notre Dieu. Nous voulons te dire encore merci ce matin pour la grâce que tu as tenue à nous accorder. De nous tenir encore en ces lieux, dans ta maison, Père, pour pouvoir réellement entendre ta voix et glorifier ton Saint-Nom. Jamais tu n'as changé. Tu demeures toujours le Dieu, comme nous l'avons entendu dans les Saintes Écritures. C'est vrai, Père. Tu n'as jamais été aimé, mais tu as toujours été repoussé, mon Sauveur. Mais nous voulons te dire merci parce que à nous, tu t'es fait connaître aussi, Père. Tu nous as accordé la grâce de pouvoir te connaître et te servir. Cet après-midi, nous nous tenons dans cet endroit pour te remercier encore pour ce que tu as offert. Pardonne-nous encore, mon Sauveur. Aide-nous encore, mon bien-aimé Père Saint, à réajuster les tirs, mon Sauveur. À réellement nous tourner vers toi et à réaliser la grâce que tu nous as vraiment accordée, Père. Tu es le Dieu très haut, le donateur de tout don excellent, le consolateur des affligés. Aide-nous, Père, à prendre position pour toi en toutes les circonstances, oh mon Sauveur. Souviens-toi. Souviens-toi de nous encore aujourd'hui. Oh mon Dieu, il ne s'agit pas de dire que je suis un croyant, mais il s'agit de réaliser.